want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. We are going to go to the interview now and see what these two players are thinking before we start our match. 놓고 맞붙습니다. 과연 GSL 첫 결승에 our two Terrence tonight have the same goals. They are hungry for the GSL finals. Let's meet Gumiho and Maru. 무려 5년 만에 4강에 올라왔습니다. 먼저 소감 어떠세요? You made it to the semifinals. First time in 5 years. How do you feel? 5년 전에 여기서 역수합을 당해서 떨어졌는데 이번에는 그런 일 없었으면 좋겠어요. 네, 고병재 선수 매 라운드마다 감동적인 5 years ago I had a reverse seat and I was eliminated. It's not going to happen again tonight. 네, 제가 사실 8강에서도 정말 졌다고 생각했는데 이렇게 이기, 한 번 더 honestly, 기회가 생길 줄 몰랐고 오늘도 I thought I would probably be eliminated. 우승에 대한 기회를 But somehow 네. I've got an opportunity to get this far. Hopefully luck's on my side and I can make it all the way to the finals. 자, 이번에는 조성주 선수입니다. 끝나지 않은 도전. Let's go ahead and meet Mario. 네 번째 사랑이에요. 네. 네, 오늘 소감 어떠세요? It's your fourth GSL semifinals. How do you feel to be here now? 못 가와 가지고 4강에 대한 기억이 안 좋은데. I never really make it to the finals, so a lot of my semifinals memories are not happy ones. 항상 잘하는 테란이었는데 왜 결승에 못 갔을까요? 제가 4강 때 But you're a great Terran, you've got a great reputation as a solid player. How come you can't get further than this point before? Whenever I'm in the semifinals, it's always just been tough matches. What kind of support have you had? Have you received before tonight? He says, I don't get much support. I just practice myself. I just work hard. 참 인간적인 모습을 승리 인터뷰 때 보여주시긴 했는데 연습 상대로서 변현 선수가 떨어져서 돌아줬으면 좋겠다. We had the winner's interview last time. 도움 받고 오셨어요? You said you hope you'd be up against that Byun would get eliminated so that you can end up playing against Maro in the semifinals. He says, yeah, in some ways Byun's helped me a lot. 저는 그래서 그냥 농담했던 건데 지고 나서 I said it like that because 어떡하지, 이렇게 생각했는데, 네. I just never thought Byun would actually be eliminated. 열심히 After he was actually eliminated by Maro, I was really, I actually felt bad for him. I kind of felt bad even saying that. But he helped me 네, a lot. 5년 만에 4강 올라와서 그런지 정말 예전에 같이 게임을 했던 Tell us about the support you had leading up to this moment. 그리고 이번에는 Because it's been a while, especially to get to the semifinals. All my friends, especially my old pro gamer buddies, everybody's been texting me and giving me support. They really want to see me get far. Whoever makes it to the finals, it'll be their very first GSL finals. Before we start, anything to say? 거의 마지막이라 생각하고 준비했으니까 각오하시길 바랍니다. I think this is my last chance. I practiced just as hard. Look forward to my performance. And what about you, Gumiho? 정말 저선 안 된다고 생각하고 이번에 지금 또 언제 올라올지 모르기 때문에 정말 열심히 준비했으니까 조심하시길 바랍니다. I have the same mindset. 네, 조심하시라 이렇게 답을 했는데요. I put a lot of effort into the games I'm going to be showing you guys tonight, so watch for that. And that does it for the interview. I got something to say. Artosis, I need to interview you real fast. Oh, hold on. Wait, I'll be right back. 손님 엄청나게 빠르고 형, 삼촌, 아저씨들 무지하게 무찌르고 태랑의 한 대결 선수입니다. 훨씬 깨졌어요. 훨씬까지 태연 선수의 모드가 바로 오늘 탄생한 선수는 정성찬입니다. 고병재 선수는요 정말 잘할 때는 엄청납니다. 필드마스터 필드마스터 고병재 선수 질 것 같지 않은 선수의 1등이에요. I'm gonna bring a hammer. 정말 공격수정을 구성주가 Et
Bonsoir à tous, bienvenue sur Gaming TV pour la GSL demi-finale. La Roumanie de Gomio. Une première opportunité pour l'un des deux joueurs d'accéder à une finale de GSL. Et ironiquement, ce sont les deux à 7000 plutôt à StarCraft 2 parmi nos quatre demi-finalistes. Puisque de l'autre côté, on aura Sou et Classic. Maru, on l'a vu, petit aparté, il était noté 14 ans sur. La petite vidéo, il faut savoir qu'en Corée déjà tu nais, t'as automatiquement un an et ensuite qu'on actualise ton adversaire tout au début de l'année, au jour de l'an. Alors c'est pas le 1er janvier exactement si je m'abuse, puisque ouais, ils ont un nouvel an un peu plus tard. Mais voilà, du coup Maru quand il en avait 14 ans en âge coréen, il en a 12 chez nous. Ouais. C'est pour ça que bon il faisait en plus il faisait 9 ans à l'époque, voire 10 si t'es généreux, Maru qui a toujours fait microscopique. Et très très jeune ici face à lui, un Gumigod qui atteint pour la deuxième fois le Round of 4. C'est ça, un Gumigod très 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 fort en TVT dernièrement, mais Maru c'est aussi son strong suit, hein, mine de rien. On l'avait vu sur ses derniers matchs, alors c'était peut-être pas en GSS, c'était peut-être en SSL ou en VSL, où il détruit un adversaire comme Saterran, où c'est même pas drôle pour son adversaire. Bah, il a atomisé Bion aussi tout ça. Voilà, oui, voilà, c'était ça. Et atomisé Bion, c'était de quelle compétition? Bah justement, c'était en quart finale de cette GSL ici. Ah. On voit ici pour Gumio, du coup, le TVT qui est à 59,18% en 2017 en offline. Et on verra comment ça se passe pour les deux joueurs. Faut s'attendre à des matchs extrêmement agressifs. Hein, pour le coup, ça avait été sous le signe de l'agression. Gumio qui a aussi montré quand même une certaine force mentale puisqu'il était mené 2-0 face à TI avant que ce dernier ne perde un peu les pédales et laisse le Terran au mouchoir revenir dans le match. Alors pour être parfaitement clair, hein, Gumio n'a pas affronté The International mais TI, hein, le joueur Terran. Pardon. Voilà, c'est marrant qu'il fasse tout le temps cette erreur, mais c'est les petits trucs mentaux, les petits tricks. 58% hein, dans le TVT en record offline pour 2017 pour Maru. Donc avec la destruction de Bion 3-1 Alive qui l'avait battu justement, Alive avait battu le bon Maru, Innovation aussi et Ryong aussi. Comme quoi. Ouais, 58% contre Terran, mais en fait, il perd les meilleurs TVT, quoi. C'est ça, mais finalement, au moment où ça comptait, il l'a gagné sur un TVT, en finale, ça pourrait être pas mal pour Maru. On a vu son gros 80% contre Protoss, si on tombait contre Classic, mais cette demi-finale qui sera jouée plus tard. Et demain, exactement, en Corée, je pense qu'on l'a fait le soir même, je ne saurais dire. En tout cas, il y a eu planning sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir que Sou n'a jamais perdu avant une finale, une fois qu'il est arrivé en playoff de la GSL. C'est du 100% into lose en finale à chaque fois. On est désormais en BO7, vous voyez ici les 7 maps. Abyssal Reef, Odyssey, Newkirk Pressing, Proxima Station, Ascension Tour et enfin Worldwind et Frost qui reviennent, histoire de se rappeler qu'on est sur un jeu qui date. C'est ça. Surtout que ces maps, si elles sont play 2012 pour les deux quand même, il y a eu une génération de maps bien plus pérave avant. Ouais. Remember Step Up. Steps of War et compagnie. Oui. Non, clairement, hein, le jeu s'est aussi amélioré. Par contre, il va falloir que je fasse un truc rapidement parce qu'on me parle et du coup, il faut que nous soyons en buzzy. Voilà, on nous laisse tranquille pendant les games. Alors, on va commencer ici. Premier match sur Abyssal Reef. Ouais. Map spécialisée dans le proxy en tout genre, en TVT, notamment en base de Foucheur. Ouais, et de manière générale, hein, le TVT, depuis page 3.8, hein, c'est ultra proxy, ultra aggro. C'est pas du tout un match sur lequel ça reste tranquille et ces deux joueurs sont des joueurs aggro de base. C'est ça, sont des joueurs aggro de base et si jamais on arrive à dépasser le fait de mettre ce bâtiment dans sa base des deux côtés pour commencer, on devrait avoir ensuite moult unités dans des medivacs. C'est la spécialité un peu des deux joueurs dans tous les matchups de toute façon. Hein. Mais ça l'est particulièrement dans celui-là où c'est extrêmement fort de faire des Doom Drop. Maru contre Gumio, une place en finale pour la première fois de la vie de l'un de ces deux joueurs. 3475e match de la GSL. Et c'est parti. Wamio Gogo, 9 Modrizem, merci. En haut à gauche, en Terran bleu, le Tawol Terran. Storm Gaming, Gumiho. So, like we were saying earlier. LOL. Face à lui. En bas à droite, inconscient de ce qui se trame à quelques centimètres de sa base. Jenner Greenwings, Maru. Wow, ok, so double gas. Ouais, du coup, c'est pas parfaitement synchronisé. Hein, mais du coup, vous le savez, un opening du coup, qui va être en double gaz
de la part de Maru, alors que du côté de Gumiho, on va être extrêmement aggro et pas avec un seul bâtiment, parce qu'il y a un autre petit VCS dans la foulée et ça va annoncer la panique dans la base de Maru prochainement. Alors deux options, hein. Soit tu fais un espèce de double proxy Rax Marauder, soit tu fais des faucheurs ici pour Gumiho avec ce deuxième STV, voilà, qui pose une caserne. On peut même dire une seule option désormais, ça sera évidemment des faucheurs, des Reapers du coup, puisqu'il n'y a pas la place de faire les add-ons. C'est ça, il n'y a pas la place de faire les add-ons et le positionnement également des bâtiments, même s'il y avait eu la place de faire les add-ons, bon... La cliff est quand même vachement bien positionnée pour des Reapers. Pour des Marauders, t'aurais pu quasiment envisager de poser tes Rax là, tu les mets partout là. Ailleurs en fait. Là ouais, tu les mets là au game. Ouais. C'est l'endroit le plus proche, c'est jamais scouté. A voir comment Maru s'y prend. Du coup, opening double gas, tout à fait capable de défendre ce genre de blague. Et ton pronostic, vite fait, avant qu'on entre dans le vif de l'action, c'est-à-dire dans 20 secondes à peu près quand ce Reaper est fini. Béber, le cornichon, 12 mois de resub, joyeux anniversaire. Le pronostic pour le BO7 ? Ouais, bien sûr. Bah, moi, je vais dire 4-2 Maru. Juste pour te faire chier. Parce que tu dis, toi tu avais dit 4-2 Gumiho du coup. Non, j'avais dit 4-2 Maru, justement. Merde, bon bah je fais l'inverse. Excuse-moi. Ok, non mais voilà. C'est juste mais après, j'ai un deuxième pronostic, c'est qu'il n'y a pas une seule game de plus de 10 minutes, sauf Base Trade. Le Base Trade est une exception, parce que la game dure, mais pour des raisons. C'est ça. Je veux dire, il n'y a pas des gens qui font des unités et qui minent pendant 15 minutes dans cette série. Non, mais c'est une prolongation artificielle de vie, très clairement. La game est un légume et elle ne demande qu'à être débranchée. Ouais, c'est ça. On demande que l'un des deux joueurs meure. Alors, c'est parti ici. Première interaction, attention. La mine qui est dodge et du coup, le Reaper de Gumiho qui s'en prend à celui de Maru. Maru qui a la bonne opening, mais avec une bonne micro, tout est possible sur ces openings. Plusieurs Rax Reaper, les lions qui est lancé. Et on va tenter de défendre Maru. Maru qui perd son Reaper, c'est catastrophique. C'est ça, parce que maintenant c'est des VCS qui vont devoir être sacrifiés. Et instantanément, Maru perd le tout petit avantage économique qu'il avait. Et la production de Reaper est en continu. Hein. Du côté de Gumiho, vous le voyez, il a également lancé une factory directement chez lui pour pouvoir assurer la transition technologique. Mais le dégât est déjà massif. 3 VCS qui sont tombés et un nombre de Reaper qui va ne faire qu'augmenter. Et en plus, avec la régénération des points de vie des Reaper, ces derniers sont une menace permanente. C'est ça, bon. On verra si Gumiho s'y prend bien. Normalement, cette game est gagnée pour Gumiho. On va voir s'il arrive à la conclure ici. Il y a une échange de mine ici qui ne touche pas pour l'instant, mais qui empêche Maru de vraiment bien défendre son wall. Les lions qui tombent, ça c'est une mauvaise nouvelle. Ok, on est en train de sortir un cyclone. Le cyclone qui pourra temporiser un peu, mais il risque d'y avoir un peu trop de Reaper du côté de Maru qui en plus contrôle bien les bâtiments de production de son adversaire. Les deux joueurs qu'on voit ici à l'instant. Et les Reaper qui continuent leur travail dans la base. Le cyclone qui va sortir et qui va se retrouver seul. Vous allez voir, cyclone ça sent fort, mais en fait c'est à peine assez mobile, ça a besoin d'être immobile pour taper, du coup c'est très très vulnérable aux mines des Reapers. C'est ça, parce que du coup quand il vole il n'est pas immobile, donc ne peut pas tirer, aussi simplement que ça, les mines qui arrivent dans les lignes de minerai qui vont commencer du coup à faire encore plus de kills de VCS. Maru qui est dans une position dramatique dans cette game, mais qui s'accroche encore une fois à sa game, hein. C'est la demi-finale de GSL, même la première game, t'as pas envie de la lâcher en quelques minutes seulement. Le problème c'est qu'il pourrait bientôt ne plus avoir le choix, parce que Gumiho lui, il est en train d'assurer complètement sa transition avec un deuxième command center qui est en train d'arriver et la technologie qui va commencer à se débloquer. Donc il y a un moment où Maru il n'a absolument rien pour lui dans cette game. C'est ça, Gumiho qui du coup la joue ultra secure, hein, n'a pas produit des Reapers en continu. Il y avait pourtant probablement moyen de passer. On prend ici la vision avec la Rax, on va revenir poke avec les Reapers. De toute façon, tant que tu ne perds pas ton Reaper, tu perds que ta vie. C'est une opération totalement rentable. Maru qui va supply block après la perte de Zeppo. Là c'est vraiment toute ta vie, c'est la merde. Très clairement, et les lions en plus qui étaient en train de prendre l'aggro ici, qui a perdu un petit peu de points de vie, ce qui va l'empêcher de tanker d'autant plus derrière. La Rax qui voit le cloak être recherché, enfin on voit une recherche être faite, mais le cloak semble plus vraisemblable, hein, pour revenir dans une game plutôt que le Raven, qui aurait été une unité qui coûte très cher et qui n'est pas garantie de trouver un dégât absolu. Il sait, hein, deep down, que va y avoir probablement un viking de déjà prêt du côté de Gumiho. Les Reapers qui commencent à mourir finalement, mais à quel prix, hein, toutes les unités de combat de Maru sont mortes. Et ici ça pourrait être GG. Grosse game. Grosse game effectivement pour ouvrir ce BO7, hein, les Oscillity qui ont commencé, ça a chauffé très très fort les mains du côté de Gumiho. Ouais, non, bien fait de la part de Gumiho qui se permet de tuer son adversaire avec un proxy de Rax Reaper sur lequel il ne fait pas des Reapers en continu. Gumiho qui a perdu probablement 2-3 Reapers dans toute la partie. Bonne out micro de Gumiho sur Maru, parce qu'en fait cette game est, de toute façon, elle est perdue au moment où tu perds ton premier Reaper et ça t'as pas le droit. Genre, ouais. Ok, que la première fight se passe mal parce qu'en fait tu t'attendais pas à trouver le Reaper, d'accord. Mais tu le planques au fond de ta ligne. En fait, mieux vaut que ton Reaper ne se batte pas et que tu perdes 3 SCV que perdre ton Reaper dans ce scénario, parce que si tu gardes ce Reaper, après l'autre il en a 3, t'as 2 Reapers. C'est un peu tendu, tu sors quelques SCV, puis tout d'un coup t'as 2 Reapers et un lion contre 3 Reapers. Donc là tu temporises encore, tu sors soit un Marine soit un Reaper, tu sors ton Cyclone. Et en fait,
Quand t'as ces deux Reaper et ton Hélion, t'arrêtes de perdre des unités parce que t'as un peu trop de DPS pour ton adversaire, c'est une seule de tes mines connect. Il prend extrêmement cher, mais quand tu perds ce premier Reaper, bah on a vu Kumio en fait qui campait la prod de Maru à partir de ce moment-là. Bon, la game devient compliquée. C'est ça, la game devient compliquée. Hein. Du coup, hein, rapide tuto de l'opening TVT, comment gérer un double proxy Reaper en TVT sur Abyssal. Imre vient de vous le dire et derrière on va enchaîner. Tu perds pas ta première unité. Voilà. Mais et c'est assez utile pour retenir la plupart des proxys, hein, ne pas perdre votre première unité. C'est ça, mais vraiment sur un proxy Reaper, en fait, quels que soient les choix que tu fais, que ce soit un Marine, un Reaper et ensuite la première unité, il faut pas la perdre. Si tu la perds pas, tu vas pouvoir accumuler, le mec produit pas tant que ça et repose vraiment sur effet snowball. On va voir comment ça se passe ici sur Odyssée, puisque ce joueur, le Toel Terran, vient de mettre ben voilà une petite claquette. Psystorm Gaming, Kumiho. Et en bas à droite, le petit prince des Terran. Il s'agit bien entendu de Jyn'Erh Greenwings. Jyn'Erh Greenwings, Maru. Bon, on va falloir expliquer qu'on joue une demi-finale. So Maru's only doing a pas une finale d'Olimo League. C'est ça. Et que du coup, il va falloir arrêter les doubles procs sur Axe, messieurs. Non, mais par contre, si ça continue, j'espère. La meilleure game, en fait, le seul intérêt des proxy racks, c'est quand les deux en font. Là, la game devient hilarante. C'est ça. Mais pour l'instant, plus Gumio qui part sur opening safe. Faut savoir aussi que le fait que les deux joueurs fassent cet opening dès le début, ça va rendre très compliqué de faire des openings de type Reaper Expand. Ouais. Qui sont quasiment du domaine de l'autolose face à un double axe Reaper proxy. C'est, tu peux hold. Mais alors là, faut serrer les fesses. Il y a pas deux, t'as deux Reaper, un Hélion, l'autre a trois Reaper. Non, non, t'as un Reaper, il en a trois. Ouais. Et toi, t'es un réacteur et une factory en production. Et autant vous dire que de manière générale, quand votre adversaire a trois fois plus que vous, les games ont tendance à mal se passer. Merci à Douyus Tropez, je crois que c'était, qui a resub pour 17 mois d'affilée. On enchaîne directement sur la factory ici. Le Reaper qui va pouvoir sortir, mais il va falloir ne pas le sortir de sa base, le garder bien à l'intérieur en défense parce que pour l'instant il ne sait pas ce qui se trame et il va avoir besoin de sa formation Gumi God Make It Happen, bien sûr. Les jeunes hommes blancs qui sont là et d'ailleurs peut-être que Coca, il y aura peut-être un shot sur Coca dans la foule puisque il a assisté a priori à cette demi-finale et après il est allé se mettre une caisse avec Testosis rapide et Testosis rapide. Ok pour la caisse. Les bons bails de Coca ici qui se fait plaisir en Corée et qu'on retrouvera bientôt du coup. Et puisqu'il revient du coup prochainement. Ok, on va voir comment s'y prend. Je pense que Maru va faire une version bien plus agressive. Je vois mal Maru arrêter les Reapers. C'est vraiment pas le genre de la maison. Ouais. Là où chez Gumio, on va dire qu'on était dans la pression. La pression appuyée, tu vois, mais très clairement, il y avait un plan de jeu. Enfin, il y avait une facto, un starport, un CC. D'ailleurs, une belle opening mecha. Et là, pour Gumio, on voulait poser un petit centre de commandement. Du coup, c'est la merde. C'est la merde noire ici qui se répand dans la ligne de minerai du bon Gumio qui doit gérer ses deux Reapers, mais également ses deux VCS. Il y en avait qu'un seul sur l'agression que Gumio avait fait. Il avait ramené un de ses VCS à la maison. Et du coup, bah ici, attention, ça permet de pas mal. La mine qui touche, c'est une bonne opération pour Gumio qui derrière arrive à sortir son cyclone. Est-ce qu'on arrive à gérer les Reapers? Oh, le Reaper meurt. Ah, on tue un Reaper. Excellente opération de Gumio là qui lui n'a pas perdu d'unité. Oh, le STV qui aurait pu gagner la game qui malheureusement s'est fait défoncer. Ce Marine va-t-il tuer? Oui, un Reaper, c'est catastrophique pour Maru. Bah en fait vous avez eu le bon exemple puis vous avez le mauvais. Et en plus Gumio de l'autre côté de la carte, micro son Reaper ne l'a absolument pas ramené à la maison, confiant. Là par contre en termes d'APM, les toits vont continuer de chauffer, la sueur va être produite hein. Ouais non, très clairement, je vais me placer rapidement de manière à pouvoir avoir justement les APM. Et on le voit, hein, Gumio ça fait des pointes à 500 dans la micro-gestion de son Reaper et de ses unités qui sont en train de traverser la map pour venir en renfort justement à ce Reaper. Le wall pourrait être busté avec un cyclone, hein, ça pourrait aller très 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 vite. Pour l'instant le Reaper qui continue de tourner, continue de fuir et en fait de gagner du temps pour ses unités qui elles arrivent en frontal. Alors attention quand même, on va pas voir la vision, il va y avoir des mines. Il faut savoir que Maru a plus de production que Gumio. Gumio n'a pas spécialement posé des unités en plus, la mine qui connecte. Attention Gumio qui vient de faire... Il vient de faire un Squirtle. Il vient de défendre un all-in et de faire le pire move possible avec ses unités juste après. Une Squirtle du coup, hein, pour ceux qui n'étaient pas là en 2011, excellent joueur Protoss. Qui avait gagné une finale et a décidé de la perdre. Le mec avait défendu un 2 Rax Marine et ensuite a sorti ses Stalkers pour raffronter les Marines, pour se faire buter en fait. Ce qui était une très très, très mauvaise idée. Hein. Et puis il a perdu pendant genre 6 mois tous les 2 Rax qu'on lui faisait ensuite, c'était très drôle ça. Gumio du coup avec son CC d'avance, bon en fait je suis même pas sûr qu'il puisse faire son CC. Ouais là il y a deux cyclones, il y a trop de Reapers. Les Reapers qui sont très très nombreux et les mines qui sont dispersées de manière à être sûr de les toucher. Du coup vous le voyez, hein, les cyclones
ne tape pas en l'air. Du coup, on va pouvoir commencer à régénérer des points de vie sur ces Reapers, choper le VCS éventuellement qui construit le CC et bah empêcher la pose de ce bâtiment et cancel complètement l'avance que Gumiho aurait quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est la catastrophe ici pour Gumiho. Maru, tu vois, il voulait faire flotter sa rage, il s'est rendu compte qu'en fait il pouvait juste continuer de produire des unités. Et là, Maru est juste bien dans la game, à part le fait que ces deux racks sont au milieu de la map. S'il aimait jouer avec Mecha, sa situation serait meilleure parce qu'en fait tu t'en fous un peu d'avoir tes racks. Mais les Reapers vont avoir un tel impact dans cette game, on va jouer très low eco avec très très peu d'unités des deux côtés. Le random marine qui arrive et surtout le cyclone supplémentaire, s'il touche une seule de cyclone sur les cyclones, c'est probablement la fin de la partie. Ouais. Ici, le bon focus sur premier cyclone, les mines qui connectent et du coup c'est la dèche pour Gumiho qui... 10 Squirtle sur 10. Hein. Ouais, 10 Squirtle sur 10 ici, clairement Pokémon sur 20 comme on dit sur les réseaux sociaux et du coup bah, très très compliqué pour Gumiho ici qui essaie d'envoyer des VCS les uns après les autres pour temporiser et permettre à son cyclone de faire la différence. Un libérateur qui est sorti mais on a quand même une légère forme d'antière hein, avec ce cyclone asthmatique et ce marine, on peut peut-être réussir à terme à s'en débarrasser ou du moins à trade avec les unités au sol et d'attendre les renforts. Il y a des marines qui arrivent encore, hein, un produit sur une Rax au niveau de la BD de son adversaire. Alors ça serait bon qu'il concept ça. Il a perdu pas mal de Reaper, du coup il peut plus aussi bien contrôler la rampe. Le libérateur qui va se reposer. Bon, là c'est le moment où. En fait, tout le plan de jeu de Gumiho était de dire trop lolol, je fais un libérateur, je traverse la carte et je le mets au-dessus de sa base sans aucun respect. Pas exactement passé comme ça, vu qu'il avait pas mal d'unités dans la sienne. Libérateur qui va découvrir rien son pote le viking. Je pense qu'on va utiliser l'entière du cyclone, ce qui fait que du coup, il pourra le prendre tuer 3 libérateurs avant que. Environ, ouais. Oh, le libérateur qui ne meurt pas cependant. Et là, on est pas en hold position, du coup, les unités qui rentrent dedans. Le libérateur qui a mis le shot, les VCS qui sont en train de réparer. Ok. Ok. Propre défense hein, de la part de Gumiho. C'est à la gueule qui va durer un petit peu du coup. Il y a 10 SCV d'écart, mais en l'absence de B2, ce sont pas des SCV qui sont rentables tout de suite pour Maru. Qui a un peu d'avance sur sa B2, qui part sur des Banshee Cloak. Autant, on dit, ouais, le défense du cyclone en CR fait pas fou. Par contre, le combo cyclone plus corbeau est pas mal parce que si la Banshee s'arrête, en fait, tu poses une auto-tourelle sur le cul et la range est quand même importante pour nous sur l'entière du cyclone. Donc, c'est vraiment un bon combo pour défendre les Banshee. Clairement, ça met généralement le finishing touch hein, pour les unités un petit peu rapides que sont les Banshee ou même dans d'autres matchups. Des oracles par exemple, ici la race qui va à terme mourir tandis que l'autre est en train de revenir sereinement à la maison. Et le petit libérateur qui va avoir beaucoup beaucoup plus de mal à trouver du dégât que s'il avait pu traverser directement la map comme tu l'avais évoqué. Puisque a priori on devrait avoir ces cyclones en mesure de le gérer. Et oui, un cyclone c'est asthmatique mais il y a un moment où ça snowball très très vite hein, une fois que t'as quelques cyclones. C'est ça, puis en fait l'intérêt principal du truc reste que ça tire très très loin. Ouais. Sur une unité comme le libérateur qui a envie de se mettre dans une position un peu abusive si tu la lock. Et le cyclone en plus peut se permettre tranquillement de se poser dans la zone du libérateur pour poser son lock et de repartir. Ça tank extrêmement bien cette unité. Ok, les Banshee Cloak delayed. Fort GG a été un spécialiste mais Gumiho adore ça aussi. De la part du terrain de Shapeshifter Gaming qui normalement va prendre la foudre parce que Raven c'est cool contre les Banshee. T'as un corbeau et deux bases. Ouais. There is a problem, my lord. There is a problem, my lord. Non, effectivement, là, ça va être compliqué. Les VCS, pardon, qui commencent à mourir. La Banshee qui fait déjà un bon petit taf, qui rentabilise largement la recherche du cloak. La deuxième, surtout. Ouais, qui est en train d'arriver juste là. Là, on est en train de le gérer. Mais à quel prix? Parce que l'autre Banshee, elle fait son chemin et va arriver directement au-dessus de la base. Il n'y a pas de tourelle, il y a un scan qui est disponible. On l'a gardé, mais il n'y a que 3 marines. Du coup, ce serait une erreur hein, de claquer le scan ici pour tuer cette Banshee. Pour essayer de tuer la Banshee, parce que 4 marines n'auront clairement pas le DPS. Mais ici, avec les cyclones et le libérateur qui arrivent, ça pourrait changer la donne. Merde, mon pronostic est en train de tomber à l'eau. Pas de game de moins de 10 minutes. Pas que ça, quoi. Ils vont peut-être attendre le Steam. le Steam de Maru du coup hein, puisque Gumiho a pas l'air d'être parti dans cette optique. Alors, on va voir ce que fait Gumiho est pas étrange au fait de faire son Steam à la 20ème minute de jeu. Ok. De manière un peu exagérée mais vous avez compris le principe. Et vu la production de marine qui commence à lancer, effectivement à soutenir le bio pourrait être attendu. On attrape finalement la Banshee du côté de Gumiho. Alors du côté de Maru on repart avec les deux petits avions coptères pour aller trouver de nouveau du dégât. Disons que dire là en fait quand tu as ce setup chez Gumiho faut se dire tout est possible. Et c'est ça qui rend Gumiho un joueur exceptionnellement pénible pour ses adversaires. C'est qu'avec à partir du moment où il a un 1-1-1 il peut exécuter absolument n'importe quoi. Il a aucune obligation dans son cerveau, dans sa manière de jouer, qui lui dit et là il faut que tu fasses de la bio, il faut que tu fasses du maker. Le problème c'est qu'en face il y a un adversaire qui a choisi de faire de la bio. Hein, c'est que la deuxième. Magnifique. Bon focus fire. Très très bon focus fire de la tourelle. Qui amène quand même à un Maru qui tue 31 VCS dans la partie.
Lui donnant un assez gros lead économique. Comme vous le voyez, un Vinci Walker a seulement 50, donc enfin quasiment 50. Donc quasiment le double du côté de Maru. Mais attention, hein, il y a quand même moyen de perdre son fight. Lag. Ok, les Banshees, les Banshees, les Banshees qui sont cloques, les Banshees qui peuvent faire des dégâts ici. Ah non, excuse-moi, il y a trop de secondes. Ouais, ça va être compliqué là. Fin de la blague. Tout de suite. Ah, or is it? Parce que là, le libérateur qui se met en ciel. Ouais, non, il y a trop de mines. Les mines sont produits 7 par 7. Le steam vient de se finir pour Maru. Il va clean cette énième et dernière tentative de Gumiho qui balance quand même 2 autres nouvelles avant de lâcher le GG. 9 minutes 53, merci. Merci, parfait. Non, mais on se retrouve en tout cas avec un Maru. J'ai envie de dire moins convaincant sur la micro sur ces deux premières parties, notamment dans celle-là. Enfin, ça commence très très mal pour lui avant que Gumi balance toutes ses unités sur une rampe chez son adversaire, sans aucune raison. Mais du coup, pour Maru, c'est compliqué pour l'instant. Même si ça fait un partout, je le trouve en balotage défavorable face à son adversaire après deux parties. Ouais, non, clairement, Gumiho, en fait, qui donne cette game sur une erreur assez manifeste. Hein, si tellement plus convaincant sur sa propre exécution du proxy, en fait, Gumiho. Genre, là, on a attendu 10 minutes parce que Maru a pas été foutu de tuer son adversaire. Ah ouais. Gumiho était en train de transitionner plus vite que Maru et l'a tué, presque sans faire exprès. Ouais. Enfin, il l'a tué avec 5 creepers là où Maru, là, on a produit la chaîne. Donc, on verra comment ça se passe par la suite. Toutes les games ne suivront pas forcément cette optique, surtout qu'on va aller jouer sur New Kirk Precinct, une des pires maps pour proxy. Reaper. Ouais. Alors, il y a d'autres proxys en TBT. Non, clairement. Mais... Proxy Cyclone, proxy Banshee, proxy... Maraudeur. Maraudeur. Hop. En fait, est-ce qu'il y a vraiment une unité que tu ne peux pas proxy en TBT? Genre, c'est... Franchement, le Battlecruiser, il n'y a aucun intérêt de le proxy parce que tu peux le TP. C'est ça, voilà. Donc finalement, c'est peut-être un proxy à l'échelle de la map de manière générale, hein, une fois que tu l'as posé dans ta base. C'est ça, tu proxy ton noyau de fusion. C'est ça. Juste pour le principe du troll. Non, en vrai, je pense que c'est fort. Genre, de cacher son noyau de fusion. Oh, Tesla Sertosis. Bien sûr, c'était pour l'enregistrement des voix du pack de Voice Tastosis. I am Tasteless, and with me is Artosis, and we are StarCraft 2 casters for the GSL in South Korea. Oh, you just got it! Wow. Yeah. So today we are going to be recording our announcer pack. Yeah. You know, as soon as they started showing announcer packs were coming out with StarCraft 2, being announcers, we were pretty excited to be able to get in on that. Yeah. It's going to feel pretty cool to have our voices actually in the game forever. Okay, do that. Sorry, dude. My favorite character in StarCraft 2 besides Artosis? I don't know. I have a favorite race. I played Protoss in StarCraft 1 and StarCraft 2, but I don't know if I have a favorite character. Do you? Does the Oracle count? I like to use Oracles a lot. That's either your favorite or the least favorite, depending on what race you're playing. Nuke! You have to do it twice. Oh, I'm sorry. I was so ready to get down to 59. Okay, we'll go again. Nuclear launch detected. You cannot let this happen. Do we practice a lot? Not exactly. I guess we do a lot of casting here in Korea, somewhere between 3 to 5 days a week. So honestly, it's our first time really doing anything like this. So I'm a little nervous. I'm really curious to see how it's going to turn out, but we're definitely excited. Yeah, we have a few lines in there that are like pretty funny, I think, but we'll see if they actually make it in. Yeah. In case it's not funny, I'm not going to pick one, so we'll see. Job's done. That's great. Oh, that's pretty bad. Du héros, du coup, tu peux te dire, ouais, 5 jours par semaine, pourquoi pas. Ok, tu me diras maintenant avec l'ASL, est-ce qu'ils font pas Ah, avec l'ASL peut-être. Mais Ah oui, le meilleur. Non, mais laisse la pub coréenne. C'est important de s'immerger dans la culture des autres pays. Et la pub est un bon moyen. Ça va être pour de l'OP diante. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Traduction. Seulement. Tan? Shooting ground. Shooting ground. 지금 사전 예약하세요. 냄새가 나. 어두운 곳에 숨은 냄새를 풍기는 바로 너. 바로 너. 원인은 쾌쾌한 에어컨 냄새. 신제품 페버리지 차량용으로 상쾌하게. 페버리지 차량용. C'est pas mal ça, ouais. Oui. Parce que tous les trucs ne sont pas utiles. Alors.
Giga en plus c'est le FAI de Katie Rolster. Enfin de Katie. Alors de la pub pour Overwatch. Mais c'est pour l'Apex ? Non, c'est pas la même boîte. Donc, c'est pas possible. Ils ont fait une ligne féminine sur Overwatch. Oh non. Ils cherchent la prochaine cosplay de Tracer. Oui, ah bah non, ah. Diva. Bah oui, évidemment. Diva qui est du coup historiquement une ancienne pro de SC2 dans le lore. Ah c'est SC2 dans le lore, il me semblait que c'était une autre édition de StarCraft. Ou de StarCraft en tout cas. StarCraft X. Et du coup des mecs d'Afrique. De StarCraft 2 Remastered. Sorti annoncé en 2027, évidemment. Alors. Je parie sur un vieux MMO sur oui. mobile tout pérave. Lineage. Ah non, du coup pas du tout tout pérave. Là par contre il y a plus de potentiel tu vois. Edge of Ring. Ah non, que. What the... Qu'est-ce que c'est En plus, on dirait trop un rip-off de Final Fantasy avec leurs épées. Attention, t'as le droit, voilà. Tu notes que je pense que si tu payes, il y a plus de trucs qui ont le vert et moins le rouge. Ouais. Par contre, l'intégration du streamer, c'est cool en fait. Enfin, genre, la pub est un peu plus cool, mais. Oh, putain, son ours. Eh. Eh. Là, on est sur une autre version du truc de Giga. Ouais. C'est ça. Magnifique. Eh, hey, tu notes plus. Ah, bah apparemment, il y a aussi du foot. Du coup, la Coupe du Monde de l'Afrique, ça, moins de 20, si j'ai bien vu, en Corée du Sud. Oula. Pourquoi ce mec avec une batte de baseball? Oula. Ça a l'air de partir en couille, là. Au début, ça semblait simple. Ils aiment beaucoup le baseball, les Coréens. Oui, et bah, ils sont très fans des sports américains de manière générale. Hein. Ok. Et du coup, t'as l'air de pouvoir voir ça sur Africa. Franchement, est-ce que les pubs pour Internet ne sont pas plus drôles en Corée que chez nous? Non, mais en Corée, c'est le truc tout cool. Ils font oh et tout, l'offre box avec la télé et tout. On s'en bat les couilles. Ah, quand même, on est là pour ça, voilà. Après cette petite immersion ici en terrain coréen. Et franchement, effectivement, je suis assez fan des pubs pour Giga. Oui. Parce que c'est quand même vachement mieux que de faire passer ses concurrents pour des pigeons avec Free. Non, clairement. Free, en fait, leur méthode, c'est de te faire passer pour un con pour faire croire que tu seras intelligent en étant chez eux quand tu y réfléchis. C'est ça. Parce que tu fais la pub pour les gens qui sont chez les autres, mais tu les fais passer pour des cons. C'est ça. Et tu sais, c'est vraiment le truc de dire non, mais tu t'es fait abuser pendant des années par des gens qui essayaient de te convaincre de te faire abuser. Mais moi, tu peux me faire confiance. Genre, bah... Alors que moi, je préfère un gars qui me dit que le tir à la Kalachnikov dans mon PC, ce qui est un peu ce que j'ai envie de faire quand il lag, quand même si j'avais une Kalachnikov. Je pourrais avoir un abonnement Giga. Et en vrai, j'aimerais bien avoir une ligne internet sud-coréenne, mais en France, ça va être compliqué, malheureusement. Ouais. Game 3, ici, sur New Kirk Pressing. Du coup, on peut repartir hein, dans les studios d'Africa Freaks, puisque voilà, voilà, là, on vous fait. D'Africa tout court, pardon. On fait un peu le live en réel, en fait. La petite pub coréenne. Ah bon, il n'y a pas les commentaires de Stay sur la pub, et d'ailleurs, je trouve ça extrêmement décevant. Oui. Ça serait assez hilarant. Des joueurs, la GSA qui fait un très bon taf à ce niveau-là. Gomio pour System Gaming et Maru pour Junior Green Wings. The Mouse Competitive 1v1 game, bien sûr. Et du coup, ça va être parti pour cette GSL Hot 6. On va pouvoir rentrer du coup très très rapidement dans les games, hein, puisque a priori c'est quelque chose pour lequel on est prêt, body ready. Le regard de Tesless qui jugeait Imre que vous avez vu sur son téléphone. Tesless s'est tourné vers la caméra. Et juste à ce moment-là, t'étais sur ton téléphone, c'était parfait. Parfait, genre. Parfait. En fait, il y a Discord qui me spam de notifications, c'est nice. Horrible. Oui, faut désactiver. Ouais, je vais trouver ça à la fin de ce show. Mais moi, je suis surtout hype pour la Game 3, parce que je pense que pour la première fois, il n'y aura pas de proxy. Ouais, bah c'est pas la map idéale, comme tu l'as dit, pour les proxys. Et les deux joueurs se sont déjà un peu proxy. Même le proxy de Maru, ça ressemblait plus à une vengeance qu'une réelle volonté à la base. Genre, oui, dans mon plan de jeu, je vais le proxy trois fois dans le BO7. Ça avait l'air d'être un peu, ok, je vais te rendre un peu la monnaie de ta pièce. Et ici, bah, New Kirk n'étant pas la meilleure map pour ça, et étant une map qui, mine de rien, est une sacrée ligne droite entre les deux bases, une fois que t'es sorti de la B2. Je suis pas sûr que t'as envie de faire un proxy dans le doute où tu te raterais dessus, quoi. Ouais, ouais, non. On va voir si c'est le cas. En tout cas, ça pourrait être une map aussi. On a vu Gumio jouer Mecha dans sa game 5 contre TY.
Donc voilà, le jeu mecha qui est absolument disparu, abandonné, laissé à de rares occasions, à peu près aussi populaire qu'en 2000. Cherche le moment où le jeu mecha est tellement populaire, mais je pense que c'est aujourd'hui en fait. Ouais, possiblement. Genre en programme. On verra ici si Gumiho tente de jouer mecha face à Maru, qui est quand même un expert pour défoncer ce genre de stratégique, mais c'est lui qui a spawn en bas à gauche de la map. On est sur Nuka Packing, comme on l'a dit 50 fois. C'est pas mal. Ouais, hein. On est pas mal là, on s'en fout. Non, c'est bon. Et du coup, en bas à droite, représentant Jenner Green Wings, il s'agit bien entendu de Maru. Cheers, Jenner Green Wings. Konsonmida. Konsonmida. Et ouais, bah on verra du coup ce que veulent faire les joueurs, mais hey, aucun des deux joueurs n'a l'air d'être parti pour un proxy. Attends. Là, il y en a un qui joue avec sa vie. Il y en a un qui pose ses balls sur le front de son adversaire. Bah en même temps, tu sais, si tu te dis genre 100% pas de proxy. Alors, c'est pas ça. C'est en fait, il est en train de faire le call parfait, je crois, vu le timing de gaz. Si ton adversaire fait genre Reaper into quelque chose, tu as perdu quand oui, tu fais CC first. Par contre, s'il fait Reaper expand, il est derrière. Il est complètement U. Et Gumiho est en train de faire un Reaper expand exactement le build order qu'il avait fait contre TY. C'est pas grave. Je vais y arriver. Les gens te pardonnent. Sur la même carte, donc c'est juste parfait de la part de Maru. En termes de lecture de jeu et de capacité, voilà, à entuber l'adversaire. Mais alors là, faut quand même être confiant. Bien entendu, on est à un partout, c'est pas une balle de match. Mais bordel, CC First en TVT, ça existe encore moins que le mecha. Ouais, non, clairement. Hein, même. Enfin, les base first quand t'es pas Zerg de manière générale, et quel que soit ton match-up, c'est clairement quelque chose de rarissime, de l'ordre de l'éléphant blanc, hein, tout simplement. Ouais. Le pire, c'est que vous allez voir le Factory de Maru qui va être quasiment avec quoi, 5 secondes de retard sur celle de Gumiho. C'est genre l'arnaque, elle est tellement réelle. En plus, c'est le meilleur build de tous les temps. Genre, c'est first into facto. Ah non, il fait un Reaper du coup. Ah ouais, du coup, il fait un Reaper. Bah, ok, ça va le rendre un peu plus safe contre le Reaper adverse. Sinon, faut se sortir les deux. Quand tu fais un Marine, tu lances vraiment la pièce. Faut également laisser un SCV en haut de ta rampe pour affronter Marine et SCV contre le Reaper. Ouais. Et rester en dehors de la rampe, ne pas les chasser, juste jouer avec la vision. Mais du coup, on va prendre du retard sur la facto. Ça reste quand même le meilleur build order de tous les temps. C'est ça, mais surtout pendant ce temps-là, Gumiho ne sait pas du tout qu'il est en retard en fait. Je pense qu'il s'attend à un play agressif de la part de Maru, et c'est pour ça qu'on le voit un petit peu camper en haut de sa rampe, au moins le temps qu'il accumule suffisamment d'unités pour pouvoir se dispenser du Reaper et l'envoyer de l'autre côté de la map, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Il est en train de tranquillement camper chez lui, d'accumuler toujours plus de ressources, et on verra ce qu'il décide d'en faire. En premier temps, un Hélion qui va être rajouté à sa composition, et du côté de Maru, la factory n'est pas encore tout à fait terminée. Ouais, la factory n'est pas tout à fait terminée, on a choisi de lancer un deuxième Reaper aussi, Gumiho qui pour l'instant joue assez défensif. Après voilà, Gumiho il a fait un starport, on peut s'attendre à voir un Medivac qui a un peu de pression dessus, mais là c'est clairement un setup. Ah, je suis trop bien, j'ai fait mon CC tellement tôt, je récolte tellement de murets par rapport à mon adversaire, il ne se doute pas à quel point je suis devant dans la partie. Ce à quoi Maru répond, idiot, j'ai fait un CC first. On le voit, hein, à la différence de récolte de minerais, tout simplement. Enfin, ne serait-ce que parce qu'il y avait les deux mules qui étaient disponibles en simultané et avant la deuxième mule de Gumiho, du coup, hein, puisque bon, sa première orbitale était forcément finie avant. C'est horrible. Parce qu'il avait fait sa axe en premier, du coup, bah, Gumiho qui se fait complètement U, comme tu le disais tout à l'heure, et bah, derrière Maru qui la joue safe, hein, avec son deuxième Reaper et la rajoute dans bunker. On va être vraiment très vraiment par Banshee. Pour moi, il part Corbeau, mais s'il part Banshee, c'est vraiment sale. Genre, CC first into Banshee Cloak. Ouais, je suis un fils de pute. Ah ouais, c'était mon opening favorite en TBZ. Ah ouais, c'est bien ce que je dis. Mais tu fais des lions de par deux, mec. Et ensuite, tu joues mec, forcément. Forcément, mais non, mais alors, théoriquement, il fait un Raven, mais c'est Maru. Non, il fait un Raven, il est dans le gaz. Ok. Mm. Quand même. Ouais. Et par contre, voilà, tu vois, quel est l'avantage du CC First? Vous vous disiez, bon, il y a 5 SCV d'avance. Vous disiez là, ok, il y a 3 SCV d'avance. Le vrai avantage, en fait, c'est que t'as déjà 2 racks de plus dans la barre de production. Genre Maru, il va avoir un timing avec du Steam et des Medivac qui va être à peu près au moment où Gumiho sera à la moitié de son Steam. Il aura le plus 5, Gumiho va lancer son upgrade. Et ça, c'est le vrai avantage du build order de Maru qui est en plus en train de faire tous les add-ons dont il a besoin. C'est ça. Ça va faire tellement mal. Ah non, clairement ça va partir très rapidement. Bad news Brian pour Gumiho dans cette game. Et bah, pour la première fois on va voir
des informations peut-être qui vont être prises de la part de Gumio, alors que du côté de Maro, bah, on avait une idée hein, tout du long de ce qui se passait. Donc, et là, il recule, c'est... Gumio... En fait, le truc, c'est que comme Gumio est parti sur une stratégie initialement défensive avant de lancer là un espèce de double drop medivac qui pourrait se révéler catastrophique si les unités de Maro sont en place. Attends, j'ai peur. Il y a trois drops. Là, non. Oh là là. Okay. Non, non, mais c'est pas ça. Simon, son tank dans son deuxième tank dans un medivac, je l'insulte. En fait, tu mets toujours le tank en premier parce que l'unité mise en première sera débarquée en premier. Et du coup, tu mets bien les tanks en premier dans les medivacs pour qu'ils soient les premiers à débarquer. Et être pouvoir se mettre en mode siège. C'est ça. Ça pue l'opening mecha chez Gumio, sinon, avec une troisième base assez rapide. Ouais, ouais. Ce qui fait que s'il inflige des dégâts maintenant, Gumio est pas mal. J'ai un énorme doute. Ok, j'ai rien dit, il y a une double IB. Ouais, non mais Gumio. Gumio il fait double. Deux vikings, double IB. Non, le sim plus tard. Je crois qu'on avait déterminé qu'il fallait arrêter d'essayer de pronostiquer ce que faisait Gumio. Par contre, ça passe pour Gumio. Ça débarque. Ouais, c'est en train de débarquer ici directement dans les modes de production. Et le tank lui n'était pas tout à fait en mode siège, du coup, on a déjà commencé à taper. On a également un tank sur le low ground pour faire la différence. Les VCS qui sont obligés d'aller au contact direct de l'armée, et on va a priori finir par nettoyer hein. Mais on a perdu déjà toute l'armée, on a perdu 10 VCS, c'est le viking qui s'est posé au sol qui va rajouter du dégât contre mécanique. Et bah, mauvaise nouvelle les gars hein, les bâtiments c'est aussi du mécanique du côté du joueur Terran, et du coup on pourrait perdre le steam. On est en train de le réparer mais c'est pas suffisant avec... ok, 3 VCS. Ah, il s'est complètement planté là-dessus Gumio, qui je pense aurait pu prendre le steam hein, s'il avait insisté. Bah s'il avait pas remonté ses unités en fait. Alors, il fait un peu n'importe quoi Gumio sur la fin de cette séquence, et il prend l'avantage dont il avait besoin, mais je sais pas si c'est suffisant en fait. Parce que Maro, si on regarde son plan de jeu, au final, je sais pas s'il avait ambition de prendre une B3, en tout cas elle est pas posée. Mais là, s'il veut juste bourrer, il a le setup parfait, il a 43 et 6 vite, on a pas besoin d'avoir plus, tu poses 2 racks de plus. Et si on est un cœur, que a fun défendre les Doom Drops quand t'as pris ta B3. Hein. C'est ça, et puis là, l'infrastructure de Gumio elle ressemble à rien, enfin on est tout il produit ses marines par un mec. C'est ça. On est tout juste en train de poser les racks, le sim est tout juste lancé quand on est en train de le finir du côté de Maru, bah c'est un petit peu ce que tu nous as annoncé tout à l'heure. On a le 1 d'attaque qui est déjà terminé alors que c'est à mi-chemin le 1-1 du côté de Gumio. Donc là il y a une espèce d'énorme fenêtre, hein, on parle même plus de fenêtre mais plutôt de baie vitrée pour Gumio. Une baie vitrée qu'il pourrait traverser et faire tout exploser sur son passage. En plus je pense qu'il y a plus de vikings du côté de Maru, donc tu peux jouer ça ultra sale. C'est-à-dire que tu peux juste contester la super... Ah non, il y a autant de vikings de deux côtés. Ok, la petite senseur tower. Alors, en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les senseurs tower en TBT, ça te dit que le doom drop arrive, mais si t'as pas les unités en place, ça change strictement rien. C'est ça. Le mec boost à travers ta senseur tower. Et là, vous vous dites, ok, ta B2, c'est pas mal. Non, je veux dire, ta B1, c'est pas mal, les vikings qui vont se suicider. Ta B3, c'est bien. Qu'est-ce qui protège ta B2? Il y en a pas grand chose. Et pareil, la tourelle ça ne protège pas. Non, clairement. La tourelle ça fait que le mec ne repart pas, c'est tout. Il faut de manière générale des unités avec ces tourelles pour faire la différence. Est-ce qu'il est en place, Gumio? Est-ce qu'il est en place sur sa B3? J'aimais un nom. En fait, un nom parce qu'il n'y a pas d'unité devant les tanks. Bon, par contre, le gros shot dans les marines ça fait mal. Là, il se fait un peu piégé avec le libérateur. Hein. Ouais. C'est pas bon pour Maro tout ça. Ok. Va y avoir blague. Hein. Maro qui pose sa B3, mais qui du coup a quand même 50 et 6 vies, non on fait pas, c'est un peu la B3 de la déco. Non, 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 ça t'a plus le droit. Ouais. Faut plus de medivac. Là, il va Maro qui tente, hein. D'ailleurs, la mine. Ça passe toujours. Tu perdras tes unités, mais ce qui compte en fait, pour Maro ici, c'est de créer du déplacement. Il a fini le sim, il a fini le combat de shield, il a une valeur d'armée qui est intrinsèquement bien plus forte que celle de son adversaire au moment où son plus simple dev sera fini. Voilà ce qu'on disait. Et là, ça va piquer. Ouais, ça va piquer beaucoup de choses. Oh là là. Mourir. Et là, c'était l'armurerie, je crois, qui est tombée. Ce qui est une assez mauvaise nouvelle pour Gumio, qui ne va pas pouvoir enchaîner sur ses upgrades alors que l'armurerie, elle, est déjà lancée du côté de chez Maro. Toujours plus de VCS qui meurt, 14 au total. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on arrive à passer? Est-ce qu'on arrive à burster directement le libérateur, les tanks? Ça paraît possible de burster le libérateur, les tanks sont à poil et on les prend aussi. Très 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 mauvaise séquence pour Gumio là. Hein. Ouais, très mauvaise séquence qui va perdre en plus un nouveau tank ici. Est-ce que les tanks de Maro sont à portée là? Oui, les deux tanks qui font le travail. Et ces marines n'avaient pas le combat de shield, du coup meurent beaucoup plus vite. Attention, Maro vient à peine d'égaliser dans cette affaire. Il est en train de finir sa propre armurerie, il finit sa B3, mais il a infligé le dégât dont il avait besoin. Maintenant la production est supérieure à l'instant T pour Gumio. Attention Gumio, attention. Oh, ce shot de tank. Ok, le shot de tank qui n'est pas pris parce que là il aurait été absolument violent. Encore une fois, les marines qui n'ont toujours pas le bouclier de combat et qui là ont eu la viande bien attendrie sur les fights précédentes. Attention quand même, le bon Maru à ne pas se faire attraper comme ça au milieu de la pampa. Le tank qui se met en siège, on s'y mine avec les marines pour aller prendre la fight directement au contact. Et là ça se passera très bien pour Maru qui lui bénéficie du bouclier de combat. C'est comme s'il avait le plus de défense hein, à l'heure actuelle comparé à son adversaire qui n'a que le 1-1. Faudrait faire les maps, mais je pense que c'est même supérieur. Genre 10 PV, c'est tellement énorme. Ouais, non, clairement. Par contre, en l'absence de medivac, le drop va passer pour Gumio. Alors, il n'y a que 10 marines, c'est pas la...
bon, c'est chiant quoi. Enfin, ça demande de la PM. Ouais, ça va demander de la PM et va falloir également évacuer les WCS. Ouais. Attends, celui-ci, on pourrait peut-être aller prélever le tank directement en Target Fire. Voilà, c'est bien fait de la part de Gumio qui derrière va chercher les WCS. Ne perd pas trop de temps sur les marines a priori. Kike, les WCS qui sont en attaque et du coup qui prennent l'aggro pour les marines. Ouais. Donc, ça, c'est très très bon. Ah, utiliser SC2. Quelle est la pire maladie des Protoss? La dysenterie. Bien vu ici, bon ici. Alors le 2-2 en avance pour Maru, on a rééquilibré le compte de cible, du coup c'est essentiellement un avantage militaire de la part de Gumio, qui se traduit notamment par un nombre de minivacs beaucoup plus important qui reste hyper significatif en TVT. Oui. Ça donne beaucoup plus de mobilité, il faut pas sous-estimer le soin. Est-ce que vraiment ce drop? Ok, non, c'est... j'aime bien le fait qu'il aille scouter avec ses vikings avant de dropper. C'est ça. Là, ça va complètement passer. Où sont les unités de Maru? Où sont les unités de Maru? Je vous le demande. Les unités de Maru ne sont pas là. Imre et on s'est fait prélever deux tanks de manière quasi instantanée. On va créer le déplacement avec le double drop qui arrive sur le côté et Maru doit ramener lui. Tiens, un petit F2. Peu ses minivacs. Délite de F2. Ouais, délite de F2 manifeste. Là, on a droppé. Il y a deux minivacs qui sont en train de soigner. Ouais, les marines qui sont en train de gagner la fight. Le 2-2 n'est pas encore là du côté de Maru. Ok, le tank ne fait pas du tout la diff, vu que le sprint de marine était bon et le 2 effectivement pas là, ça fight également en frontal au niveau de la B3 TKL ici. Ok, les unités de Maru qui sont toutes dans le rouge, on pose le viking qui se fait un stunt, mais ça ne change rien, la B3 qui doit être évacuée, 22 STV au tapis, Gumio qui prend un énorme avantage, cette contre-attaque de Maru qui va être immédiatement shutdown, et le Toll Terran est bien parti pour prendre la deuxième game, mais vu qu'il est en train de gagner de partout sur un map. C'est ça, il est en train de gagner partout, il va même tuer le troisième CC, et là même si ton 2-2 se termine mon cher Maru, oui tu vas avoir un léger avantage technologique, mais sur lequel eh ben, en fait, tu n'as aucune armée qui va vraiment en bénéficier hein. C'est pas tes 6 marines et ton tank qui vont faire la différence malgré le 2-2 sur les marines, parce que là il y a beaucoup trop d'unités dans ta base qui sont en train de détruire l'intégralité des bâtiments que tu as posés. Les VCS qui vont également prendre extrêmement lourd dans la foulée, les marines qui veulent venir défendre, éviter de se retrouver avec le supply block de l'infini, ça paraît compliqué de le faire de manière efficace. On le voit, tous les marines sont en train de mourir alors qu'il y a encore des marines dans la main et des renforts en train d'arriver. Ouais, alors Gumio là qui peut dérouler hein. GG. Impeccable victoire là du Terran de Shepsy Storm Gaming qui même si voilà il a pris long sur le temps de Maru, celui-ci a tout juste rééquilibré la balance et derrière Gumio lui a été bien plus efficace sur ses propres agressions. Son premier drop bien entendu a fait énormément de dégâts, mais même les suivants ont été bien plus efficaces que les tentatives de Maru, ce qui fait désormais 2-1 en faveur du Terran de Shepsy Storm. Et là pour Maru c'est un peu ce qui est blasant en fait, c'est que tu réussis ton opening et tu perds alors qu'il n'y a absolument pas à cause d'elle. Et ben on verra s'il arrive un peu à rectifier le tir hein, du coup sur la partie suivante, puisque effectivement ce n'est pas l'opener qui était en cause mais bien l'exécution. Proxima Station, une autre map où bah contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, le proxy n'est pas le plus favorable la plupart du temps, mais est-ce qu'en TVT c'est différent? Alors, en TVT c'est complètement le cas, c'est totalement impossible de faire quoi que ce soit d'autre qu'un proxy maraudeur, et encore c'est pas terrible. En fait il y a cette notion de devoir monter tout de suite une toute petite rampe, et surtout que si le mec a fait un CC rapide il va en profiter. Ouais. C'est-à-dire même si on est en train de lui mettre la pression, il faut te tuer avec ton proxy, tu peux pas juste dire oh là là je vais deny son CC en arrivant avec deux maraudeurs. Bah non, en fait le CC il a 15 km derrière tout caché. Par contre, la distance aérienne tout droit entre les deux bases, elle est courte. Ouais. Mais ce problème en fait dure jusqu'au moment où tu prends la B4 Gold. Et quand tu prends la B4 Gold, elle est pile poil sur le chemin de ta base principale. Et donc en fait, au moment où tu contrôles cette base, t'es totalement protégé. Ouais. Voilà. Et du coup, la game qui commence ici, en haut à droite, en Terran bleu, c'est le Tower Terran. Oh dude, he sent another SCV. Ah, apparemment, y a un SCV qui a décidé de prendre la map à contre-pied. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je suis très curieux là du proxy de Gumio. Face à lui. En bas, à gauche de la map. Jin Air Green Wings, Maru. Now hold on, did he send two SCVs or one SCV? Lune. Deux. Oui, placer la Rax. Ok, placer Rector. Il est sérieux. Amiral Sims 2-0, merci. Panier piano. Merci. Moi j'aurais rajouté pénible à la fin. Moi j'aurais rajouté pénis. Chacun son truc. Chacun sa priorité. Ouais, alors là, t'es en train de proxy. Si tu peux nous faire un petit tour de la montée de rampe qui attend Gumio. C'est ça, montée de rampe qui attend. Tu passes pas à droite. Hein. Tu passes pas à droite. Là, le gros truc t'empêche totalement. Non, je veux dire. La grosse cheminée. Non, descends. Le silo là, pardon. C'est pas une cheminée, c'est un silo. À côté du dépôt. On y est presque. Ça ira mieux quand je vais prendre le contrôle de la souris. Clairement, je comprends. Alors, ce truc là. Ah oui, non. Et ensuite, grosse blague.
T'as pas le droit de monter ici non plus. C'est ça, non, bah c'est une mauvaise map à Proxy Reaper, hein. Très clairement, il y a un seul espace de jump, il est là, et bah en fait, Maru il est déjà en train de se préparer pour le gérer. Hein. Là, ça, Reaper va sortir, add-on, et c'est fini. Ouais. Ouais, c'est. Moche. Ouais. Alors, c'est pas encore fait. Parce bon, que... GG, kaboum bébé, merci. En fait, tu peux perdre la game maintenant, là, tout de suite. Si tu perds ton Reaper, si tu perds ton Reaper, perds pas ton Reaper, le Reaper qui prend déjà du dégâts, c'est une mauvaise nouvelle, il faut rajouter l'addon, mais non, il a lancé un Reaper, voilà, lance ton addon. Ok, l'addon qui est lancé. Et là, lol, je suis en train de faire une facto. Et je peux faire un cyclone direct, parce qu'en fait, t'as que deux Reaper. Ah, il fait un. Lul. Ok. Ah, mais. Gumiho s'en bat les couilles. Et je veux dire, pour moi, le plan de jeu de Gumiho passe. Et au-delà du. J'aime beaucoup le choix du tech là-bas. Il se construit plus vite. Pour les mêmes points de vie. Ouais. Non. Oh là là. Lance un maraudeur en vrai. Sur. T'as sur fait un tech lab. Ouais, non, clairement. Okay. Ah, ok, donc là c'est chiant. Ouais. Et là ça l'est moins. Et là c'était un Elion qui est sorti en premier et pas un cyclone. Du coup ça devait devenir compliqué. Non, si on arrive à choper peut-être le. C'est... Okay, non. Non, c'est bon. En fait, le bunker est juste parfaitement placé. Non, mais je veux dire, Gumiho, les Reapers sont l'opening du all-in. Oui. Clairement, il comptait pas sur ses Reapers pour gagner la game. On a vu même face à Maru qui prend 300 000 points de dégâts sur son premier Reaper. Ça ne marche absolument pas. Et j'espère qu'il fait un truc Marine Tank totalement débile parce que c'est excessivement drôle quand ça marche. Oh là là. Et là, c'est effectivement Marine Tank. Ouais. Et ça pourrait être effectivement très drôle si ça marchait. Petit Kratos, 23 mois de resub. On te retrouve le mois prochain pour tes 2 ans sur la route to poutre. Alors, déjà. Que fait Maru? Je crois que Maru. En fait, je crois que Maru va gagner la game maintenant tout de suite parce qu'il va expliquer ce qui se passe. Il va tuer le SCV. En fait, là, le cyclone. Il est absolument pas contesté puisque t'as besoin des mines pour forcer le cyclone à se déplacer pour l'empêcher des pêches. Ah, voilà. Merci. Au revoir. GG. Rect. Ouais, on va quand même tenter de se battre hein, ici. Alors, avec le temps, mais ça va être compliqué. Temps, super, il y a un cyclone. VLSV Gamer, 22 mois de resub, merci. Et là, c'est la fin. A priori, même si on prend le cyclone, hein, on va se faire chase avant de finir par le Reaper. Bon. Post-Arax, il fait des marines. Bah ouais, non, mais Post-Arax dans la B2, il fait des Reapers en vrai. Non, ça, par contre, c'est legit. Bonne petite micro aussi de la part de Gumiho. Mais bon, Maru est en train de faire une Banshee Cloak contre un mec qui a une station orbitale et pas de spatioport. Ouais, non, ça paraît. Je suis même pas sûr qu'il ait scouté les. Maru taquin. Et je pense que t'envoies la Banshee tout droit dans sa base, tu vois, histoire de bien terminer la game. Ah oh oui, bah oui. Non, bah ça, tu te fais pas chier, hein. Là, tu sais qu'il y a rien de manière dans sa base, donc le spatioport ne sera pas terminé parce que du coup, il a dû être cancel, donc il n'y a pas d'entière en tant que tel. Il n'y a pas non plus. Alors, de masse de marine au sol. J'aime bien l'idée de Gumiho, mais j'aurais fait le proxy décalé à gauche. Ouais, genre un là. Peu, faut que t'aies une chance que le truc soit pas vu. Après, si tu finis tes bâtiments, t'as carrément une chance de gagner la game si tu micro un peu mieux aussi. La tour elle est bien défoncée. Non, mais clairement, là on va perdre environ 10 000 DCS avant de pouvoir avoir une forme de défense anti-aérienne du côté de Gumiho. Et c'est exactement ce que. Ah, ouais, là il est même pas en train d'avancer. On pourra même pas défendre ses gaz contre le bloc. Hein. C'est ça. Ah, il vient d'envoyer son mieux. Bonne idée. Ouais. Ça va t'aider. Bah, ça va aider à compenser la perte des SCV entre le. Également, je crois. Bon, pas trop voir ce que c'était, mais je juste. Ouais, il y a 3 marines et un tank qui arrive. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Hein, c'est littéralement et, ça. Les deux cyclones ont dû faire du petit bois de ces quelques unités, parce que c'est ce qui se passe de manière générale en early game. Hein, le cyclone, plutôt une bonne unité. Et puis, il y avait même la deuxième boîte. Ah non, il y a 4 marines, je suis déçu. Et, histoire de faire pas de mesure. Ouais, là, je crois qu'il a vu ça. Et en plus, c'est la. Il vient de muler en plus. C'est ça, il vient de muler, tu sais, c'est le genre de truc. Genre, s'il avait eu 6 marines et qu'il avait encore son scan, tu tues la Banshee, ton tank il est en mode siège, tu peux peut-être faire chier, tu vois. Mais tant que t'as. Ouais, bon, bref. Des fois, en fait, faut respecter la carte. On va se limiter à cette analyse. Ouais, non, clairement. Le respect de la carte, c'est quelque chose d'assez important. Je propose qu'on fasse un petit break. Puisque du coup, ça fait 4 games qu'on a fait. Et du coup, moi, il restera. Du coup, vu qu'il y a. Au moins deux. Au mieux 3. Du coup, ça fait à peu près la moitié. Et vu que la première game était courte, on se fout pas de votre gueule au niveau des timers. Du coup, on vous invite à nous rejoindre d'ici quelques minutes pour la suite de cette demi-finale de GSL 2-2 entre Maru et Gumiho. Beaucoup de bisous. À tout de suite. Et on est de retour sur la Gaming TV, bien sûr, pour la suite de la GSL
Codes, demi-finale, Maru Gumiho, il y a 2-2 entre ces deux Terran. Et pour l'instant, difficile de pronostiquer ce qui va se passer au final quand on observe les 4 premières games. Chaque joueur a... Je dirais, Maru montre moins de choses, mais Gumiho, même si le build order est intéressant, a complètement refusé de jouer la macro game sur une map qui le permettait, ce qui est assez étrange de sa part, je trouve, notamment suite à sa bonne démonstration sur un game 3. On va se retrouver sur Ascension to Ayur, une carte où les proxys sont moins forts, mais par contre un jeu agressif, une base a beaucoup plus de sens, puisque la deuxième base va être sur un low ground, pas de vision pour monter, là tout ce qui va être des push avec des Reaper, des Lions, des Cyclones, va être extrêmement efficace, donc probablement des duels de micro différents avec un peu plus d'unités à gérer. On a vu, je trouve, une supériorité de Gumiho en ce qui concerne le contrôle Reaper pour l'instant, mais quand on va rajouter des Cyclones, des Lions et potentiellement Viking Medivac, est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas, hein. Le bon Gumiho, c'est un joueur assez YOLO dans l'esprit, et on le sait, il est capable de te mettre même des SCV dans son Medivac histoire que ça soit plein pour passer à l'attaque. Donc c'est vrai que dès qu'il a plusieurs unités à manipuler en même temps, tu sens qu'il y en a certaines qui sont pas optimisées en termes de micro. C'est ça, ça manque de protosserie. La protosserie, ça sera demain, je pense, en tout cas classique. Et t'en passes pour une nouvelle GSL, et il affronte Sou. Classique Sou, d'ailleurs, ça a été une finale de la GSL remportée par Classique. 2014. Pas 2015 ? C'est pas 2015 où il fait SSL plus GSL 2014-2015 en tout cas, je ne serai. Enfin, je te fais confiance sur le coup, tu es probablement plus confiant que moi. Classique qui avait commencé par jouer Terran puisqu'il était Terran sur Broadwar et qui a pris la bonne décision en fait de switcher Protoss du fait que le gameplay Terran sur Broadwar est bien plus similaire au gameplay Protoss, notamment dans la vitesse des prises de base plus qu'autre chose. Non, très clairement, hein. Et on l'a vu également, Nib également, un joueur qui a été passé. Bon, lui, pour le coup, il n'a pas joué beaucoup à Broadwar, mais de Terran à Protoss sur StarCraft 2, en haut à gauche, il n'a jamais changé de race et il a toujours des petites serviettes. Il est bleu, il joue pour Psystorm. Storm King. Oh, yeah. You know that guy from like a Et face à lui, on va le voir dans un instant. Il est rouge. Il a commencé, il avait 12 ans, il battait des gens qui pouvaient être son oncle. Apparemment. Right side of the map. Maru. The Red Terran. Alors. Et pour la première fois, les deux joueurs font des build order normaux. Du coup, en Gas First Rax. Voilà, Gas First Rax. Maintenant, on va voir. Est-ce que Gumiho prend l'ace? Puisque voilà, ce qu'on peut. Alors, c'est ici, si tu veux faire un Rax Expand, tu sues un peu quand les Reapers, suivis d'un lion, voire d'un cyclone, arrivent. On va scouter du côté de Maru. Qu'est-ce qu'on va scouter des deux côtés en fait? Maru, lui, très clairement, scoute les proxys. Ouais. Et Gumiho, ça, c'est un scout normal. Je suis pas très fan du scout de Maru. La phrase de Mary Poppins. Merci, Amiral Sims, 2-0. Ça, mais Mary Poppins en tout. Maru, OP from France, Team Nuit Blanche. Allez, big up. Tu reconnais cet individu du coup, Imai? On aurait dit une version jeune d'Alghost. Un peu, hein, c'est ça. Mais Je suis extrêmement perturbé. C'est ça. Alors, faut savoir que je suis absolument pas. Allez. Qui est cet homme? Mais oui, il ressemble vraiment à Alghost en plus, hein. Mais oui, mais c'est Alghost. Est-ce que ce serait pas un petit frère d'Alghost? Peut-être. Mais la blague, les deux mecs vont vraiment partir expandant. Ok. Ouais, je suis pas forcément. Je vais peut-être avouer mon ignorance de la méta. Mytho69, Gogo Tekel. Bah écoute, merci. Hein, Gogo Imre aussi, il est là. Et Gogo, toi surtout, 23 mois de resub. Et le mois prochain, c'était 2 ans. Voilà, des gens heureux. C'est ça. Les Occidentaux dans le public de la GSL, ils sont très contents d'être là de manière générale. Ouais, bah en général, en fait, t'as prévu ça depuis un moment. C'est ça. Tu pars pas à Séoul pour voir la GSL, mais quand tu kiffes StarCraft. Tu prévois de voir la GSL quand tu sais que tu pars à Séoul. Et puis, je pense que même si tu te dis genre ouais et tout, j'aime à peu près tous les e-sports, l'entrée de la GSL c'est gratuit. Et il y a des pizzas. Et il y a des pizzas, potentiellement voilà le patron de la GSL tu sais, qui paye sa tournée de pizza, etc. Donc, Tierp 13, 27 mois de resub, merci beaucoup. C'est ce genre de truc en fait, c'est une expérience à faire au moins une fois hein, si vous allez en Corée et vous avez l'opportunité. Ah. Et après, vous pouvez toujours aller voir l'Apex ou. Tu t'es bloqué. Non, je cherchais la touche pour montrer la vision des deux joueurs. Bref, j'adore ces builds proxy, ça reporte après. Hein. Une fois que tu as identifié en fait que ton adversaire est complètement en train de partir sur un CC, genre proxy Starport Cloak Banshee, c'est l'une des openings les plus foireuses et les plus efficaces possibles. Mm-hmm. C'est très très difficile à scouter. La Banshee arrive avec les 20 secondes d'avance qui font la diff et te permettent de prendre 5 ou 6 SCV de plus. Et au final, quand tu investis sur une tech Banshee Cloak, donc en fait, la seule follow-up possible sur des Banshees, c'est un run. Tu vas pas trop switcher ton truc, t'as beaucoup de gaz en banque, donc c'est assez intéressant de la part de Maru. On va voir s'il arrive à rentabiliser ça. Ouais. Et de l'autre côté, la petite agression de Gumiho devrait avoir.
Aucun effet, c'est Maru micro bien. C'est un grossi. Tu peux juste lui remettre le score propre. Ouais. Histoire que les gens ne soient pas confus, il y a bien 2-2 entre ces deux joueurs. Par contre, le Reaper qui prend le full scoot, ça c'est quand même assez bad beat pour le bon Gumiho ici qui prend la fight frontale et qui perd son premier Reaper. On se retourne avec les lions, mais il veut le but ici, c'est clairement de fuir, on ne fera pas plus de dégâts. Attention, Maru qui s'est un peu touché à Noi, du coup il y a une bonne avance sur la banshee de Gumiho. Mais elle arrivera plus tard, c'est ça la grosse blague. Le centre technique, puisqu'on a vu, c'est horrible pour Gumiho. Le fait qu'il y en ait un, en fait là Maru peut faire un truc genre banshee, corbeau. Qui revient super vite maintenant vers sa base Banshee. Là où Gumiho, normalement, quand t'es investi dans le club, t'as envie de faire des Banshees, donc t'en fais souvent au moins deux. Mmh. Genre, c'est devenu très très rare les build order Banshee, Corbeau. Ouais, bah si, il va le faire. Et là, quand t'as son cloak ? Je crois, ouais. Ouais, il est scouté. Non, mais c'est pour ça, il est scouté, il a pas le choix. Ok, là ici, on tente un petit peu des choses, hein, mais ça va être très très compliqué de produire du dégât avec un Reaper 3 Hélion contre un seul Cyclone. Et pendant ce temps-là, il va falloir se concentrer sur la défense, parce que là, on part sur un 3ème CC très très rapide, ce qui pourrait nous indiquer du mecha. Maintenant, il est quand même en train de produire beaucoup de marines pour faire du mecha, donc ne pas non plus. Bah, on sait jamais voir, avec Gumiho. C'est ça, c'est alors, le problème. Je vais faire un petit truc dégueulasse. Et je suis désolé. Je crois qu'on l'a pas dit, hein, mais merci ouais. Fragil pour le resub de 5 mois. Juste. Ouais, tu veux te mettre en grid. Ouais, sinon je vais pas arriver à observer tout simplement. Ok, on revient sur nous puisque du coup j'avais pas suivi. Mais voilà, la Banshee qui arrive ici, attention, le clock n'est pas fini. Seulement deux marines, ce qui n'est absolument pas suffisant. Les lions encore moins. Oh, ça va faire mal déjà. Non. Cyclone ? Le scan ? Oh, le cyclone qui a la portée infinie du cyclone. Allez, rapproche-toi de la cliff, le scan peut... Non, on était sorti de la portée, trop compliqué. C'est le moment où t'as pas pris le risque. Ouais. T'aurais pu scanner. T'as décidé de pas scanner, mais du coup Maru sa Banshee qui arrivait un peu vite, mais le cloak est complété. Et là t'attends de Banshee. Ah le SCV qui répare ça, c'est les petits moves qui rentabilisent tellement ce proxy starport. C'est ça. Cette Banshee coup, qui revient peu node. Grosse pénibilité possible hein, du côté de Maru et puis possibilité de renforcer le joueur. Terran bleu a claqué de nouveaux scans. On est en train de rajouter de la rage du côté de Gumiho, donc du côté de Maru pardon, du coup pas de surprise, ça va être bio. Et les deux engineering bay de Gumiho pour le coup nous indiquent que lui à terme va jouer bio, mais pour l'instant grosse insistance sur les unités mécaniques hein. Un tank, une nouvelle Banshee. Ah non pardon, c'est du côté de Maru, un tank et du marine. Ibarej, 23 mois de resum, merci. Est-ce que ça va faire suffisamment de dégâts pour Maru qui en plus il tue les civils, mais Gumiho l'économie c'est son poids fort avec ce 3ème CC et c'est Mule qui arrive, il va perdre ici. Ah ok, cette Banshee quand même fait sacrément le travail hein. Le bon petit Reaper. C'est pas mal ici, on évite de perdre le 7ème VCS et du coup bah avec ce 3ème CC comme tu le disais et du coup l'abondance de Mule qu'on va pouvoir avoir car on n'a pas claqué de scan pour ces Banshee. Économiquement je pense que vraiment on n'est pas trop mal hein, pour Gumiho malgré le léger déficit de worker. Une fois que les mules seront larguées, là c'est un bon Maru qui est en train de bénéficier de ses mules, on sera vraiment pas mal du tout du côté de Gumiho. Donc et puis technologiquement aussi il va être très très bien avec son 1-1 qui est en train d'arriver. Ok, je pense qu'on aura le temps de faire cette Banshee de toute façon. Pourquoi celle-là revient Gumiho là c'est le pire qui peut lui arriver, là ses unités vraiment pas en place et il peut encore se faire bourrer. Ah ça va mourir, ça c'est bien, c'est énorme pour Maru. Ok, des unités qui s'affrontent des deux côtés. Qu'est-ce qu'il y a ici pour Maru? Le tank si tu le places bien, en fait il calme. Ok, s'il intercepte c'est énorme. Le tank en mode siège, ça va faire mal. Ouais, ça va faire très mal, le tank qui s'est mis en mode siège et les cyclones qui ne sont pas assez prêts pour éviter le shot de tank. On a quand même split au dernier moment et du coup on arrive à choper le tank siège de son adversaire. Mais là il faut fuir hein, face à la menace de la Banshee et des cyclones. La Banshee qui pourrait rattraper le cyclone le plus faible en vie et le tuer potentiellement. On claque le scan pour infliger du dégât à cette Banshee mais on ne la tue pas du coup. Bon, je vais pas dire que c'est un peu dans le vent parce que ça force la Banshee à reculer, mais c'est quand même loin d'être optimal. Un nouveau scan qui est claqué pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est du côté de Maru et les deux joueurs qui lancent tout juste leur steam à 7 minutes de jeu. C'est ça, mais la réponse est loin derrière chez Maru. Une seule upgrade, un 3ème CC plus tard, le steam pas en avance et des dégâts complètement insuffisants à l'image de ce que fait cette dernière Banshee. Alors, il y a un seul Viking, voilà, tu poses l'auto-tourelle pour gagner du dégât et celle-ci est non négligeable. Ok, il y en a une ici, il est déjà pris Gumiho. Et les auto-tourelles posées à ces endroits seront utiles plus tard dans la partie, c'est absolument pas juste anti Banshee Gwenleb qui lui fait tout pour que le gold sub ne redescendent pas. Et puis pour le coup hein, les gars, on a pas mal stabilisé hein, dans l'ensemble. Donc n'hésitez pas si vous estimez que vous voulez en voir davantage à motiver vos potes qui voilà, vous en avez tous un qui regarde encore du Starcraft 2 mais voilà qui s'abonne pas trop et tout. Non mais motivez-les, il y a possibilité de faire du contenu, il y a possibilité de faire des choses, mais on a besoin de votre support et de votre apport. On vous mettra du champagne partout sur votre corps. N'hésitez pas à mettre des têtes de Momanus dans le chat.
C'est ça, on laissera un moment pour tout ce qui est spray de champagne de manière faciale. Ça. Et on verra comment ça se passe ici pour les deux joueurs, surtout Maru qui stabilise et qui est en retard très clairement. Hein, une énorme retard sur ses upgrades, pas d'avance sur... Ta faute qui suit les bonnes recommandations et qui somme. Merci à toi pour ce soutien à la route tout poutre. Ouais, pas d'avance sur le Steam et des Banshees qui ont atteint leur date de péremption. Très clairement. Ok, ouais, la Banshee c'est... qui dodge. Mais le Raven qui donne la détection. Du coup, ça ouais. va être compliqué. On va finir par fuir hein, puisque normalement le Raven est plus lent. Le Raven a la même vitesse, mais ah le Viking ouais est plus lent. Le Raven va beaucoup trop vite maintenant. Ouais, c'est clair, c'est Imba. Le seul truc cool pour Maru là dans cette partie, c'est... Ah, il va tuer. J'aime bien ça. Ta Banshee est morte. Non. Ok. Il a pas un polycyclone. Ouais, j'ai cru qu'il allait cancel son dernier hit comme il avait cancel l'avant-dernier et qu'il aurait l'air très con. L'avantage de Maru en fait c'est son map control qui est absolument pas contesté. Pookie 77, 9 mois de resub, merci à toi. Ok, qui vient d'être contesté. On va garder les cyclones. Bon, c'est pas ouf le cyclone mais c'est toujours ça au niveau des défenses statiques. Le problème que j'ai avec cette tourelle c'est qu'elle elle va tirer très très rare. Ah ouais. Ça c'est vraiment la tourelle qui t'empêche de revenir. Ok, les... Oh, c'est... Placement de tourelle, ici pas idéal. Non mais il y en a trop mais... surtout. Genre quel est l'intérêt de poser 4 autotourelles quand une autotourelle fait quasiment autant de travail sur SCV? Non, je sais pas trop. Mais peut-être un petit peu de nervosité du côté de Gumio de se préoccuper d'autres choses le plus rapidement possible, de peut-être d'être en place au niveau de sa défense. Et là on voit avec les scans préparatifs hein, de la part de Maru pour voir s'il y a justement une armée qui est en train de venir défendre. Et oui, l'armée était en train de descendre vers le sud pour intercepter cette armée, tandis qu'on a un double drop au nord qui pourrait lui trouver beaucoup de dégâts. Quoique tu me diras, une tourelle qui vient d'être posée, il y a un tank qui est encore bien en place, il y a la tourelle de détection également qui annonce l'arrivée. Ici les Medivacs qui vont essayer de dropper directement dans la ligne de minerai. On va essayer de se mettre en siège avec le tank qui se met en siège, les marines qui galèrent un petit peu à se décharger. Par contre pas de target sur le tank de la part de Maru et du coup de précieux shots de tanks qui sont lâchés dans la bioball. Ouais, en plus on s'est fait clean de l'autre côté mais le supply reste équivalent. Avantage sur les upgrades toujours pour Gumio. Maintenant ça va être un avantage surtout sur les timings. Ok, Gumio qui sait qu'il a le map control désormais, du coup pose une sensor extrêmement agressive qui coupe beaucoup plus d'espace. Et vraiment bien cette sensor tower, par contre tu la perds instantanément dès que ton map control repart. Une quatrième base qui est lancée alors que celle de Maru vient tout juste d'être lancée. Et là un début d'agression qui pourrait fonctionner. Attention, c'est Viking quand même. Ouais, attention à ne pas trop les exposer. Les tanks qui se mettent en mode siège, ils vont être à portée de l'assimilateur, peut-être de quelques carrés de minerai également. Ou le premier qui a l'air d'être potentiellement agressable un peu, les tanks de Maru qui sont en train de prendre un petit peu la sauce. Les Vikings qui donnent la vision pour Maru et on va pouvoir prélever du coup les Medivac si on n'est pas prudent du côté de Gumio. Cette force qui arrive par le nord, Maru qui n'est pas forcément énormément en place pour gérer ça, il n'y a qu'un seul tank pour intercepter, un deuxième qui est en train de se mettre en position. Gumio qui ouais, il a peut-être réussi à forcer cancel sur CC. Attention ici, ce Medivac, on ne réagit pas assez vite du côté de Maru. Et du coup on va le paumer, tir au flanc qui rejoint la route tout poutre. Et qui rejoint voilà tous ses poutreurs. Attention ce Medivac du coup qui n'aura absolument aucun résultat. Gumio qui a bien enchaîné sur son 3-3. C'est pas encore le cas du côté de Maru, qui sait qu'il a supériorité aérienne et qui fait le move qui peut faire facilement renverser cette game, à savoir double libérateur. Là on va les clean, le CC qui sera fini. Et toujours, genre c'est incroyable en fait, parce que j'ai l'impression que Gumio fait bonne opération sur bonne opération. Tu regardes le supply, ça bouge quasiment pas. Ouais non, clairement très très bonne macro hein, de la part de Maru. Mais là attention à l'avantage technologique qui est en train d'arriver du côté de Gumio. Je veux dire les upgrades, le 3-3 lancé largement en avance, le 2 d'attaque mécanique ouais. Aussi la production de marine quasiment 14-14 à certains moments, c'est assez insane. Et encore une fois hein, merci tir au flanc. N'hésitez pas à balancer des joins dans le chat quand les gens sub ou resub. Voilà, fêtez-le, vous êtes 1757, rassemblez-vous en une grande famille de la poutrance. Attention ici pour Gumio de pas s'empaler, puisque désormais on commence à avoir des nombres de tanks assez conséquents des deux côtés. 4 pour Gumio, 5 pour Maru qui je pense en a perdu plus en plus. Non, autant des deux côtés. Ok. Et on est vraiment sur un nombre de marines plus important. Là où il y a des... Moi j'aime bien la compo de Maru à ce moment de la game. Genre si t'arrives à forcer une fight, un lockdown. Ok, le steaming qui coûte cher à Gumio qui se mange deux sales shots de tank. Et derrière les libérateurs qui vont forcer Gumio à vite sortir de cette position. Et là ça commence à être problématique entre les libérateurs et l'avantage massif de Viking du côté de Maru. Gumio il peut juste pas faire une agression successful en fait. Moi j'aime bien la position de Maru là. Certes il a moins, mais en fait il a les unités qui gagnent la game en fin de partie, notamment les Vikings et les libérateurs qui permettent de sanctionner ton adversaire plus facilement. Attention les libérateurs, ça serait bien de pas les perdre.
Ok, ok, YNPF, YNPF en plus, le spread de Marine de la part de Gumigod, est-ce que ça peut passer? Ça vient de lui coûter tellement cher cette affaire, et ses tanks ne sont pas à portée de la PF. Ouais, les tanks ne sont pas à portée de la PF, c'est clairement pas ces Marines qui vont pouvoir aller chercher malgré le 3-3 qui est en train de se terminer. Par contre ici ça pourrait être une excellente opération, si Gumigod s'en rend compte, il pourrait stimuler directement sous ses Medivac et ça pourrait être un mal se passer pour Maru. Non, ok, Maru qui s'en rend compte et qui recule. Ok, il y a un tank à proximité de la PF, et il a perdu ses libérateurs, faudrait qu'il en refasse. Il y a tentative d'arnaque, de toute façon Gumio n'a pas beaucoup. Oh là là, Gumio qui n'a pas ici, ici. Je pense quoi que le 3-3 est fini en train de se sub. Croche chromatique qui est là, Maru qui s'immine, non il s'est dit qu'il ne peut pas monter cette rampe. Il va perdre une nouvelle sans sorteur. Maru qui perd son map control petit à petit, tandis que celui de Gumio posé extrêmement tôt est efficace, ce qui permet à Gumio désormais de poser une B5 sur le saut. Et vu qu'il a géré les libérateurs, à nouveau sa supériorité tout simplement en termes d'armée est réelle, puisqu'il n'y a pas d'écart sur la technologie des armées des deux joueurs. GAC 1994, si Moindry sub, alors c'est les joints dans le chat, bien sûr. Et là, mine de rien, bah, on se fait tranquillement enfermé. Hein, alors, je suis Maru. Curieux du compte de tank. Ok, c'est légèrement à la montée. C'est égalité totale. Le plus 3 d'attaque qui va arriver plus vite. Maru, ça ressemble à une. Oh l'empête, mais non, on arrive aussi au nord. Et du coup, on est en train de rativoiser cette base. Tous les tanks qui sont morts, est-ce que le CC va prendre aussi? Je ne sais pas, pour l'instant, on a l'avantage des Ogres du côté des Marines. Des Marines 3-3 pour Gumio, contre des Marines 2-2 pour Maru. Maru qui veut avancer, veut repousser son adversaire, mais dès qu'il le fait, rentre dans la portée des tanks. Ouais, et du coup, là, le quart de supply RL, Maru qui vient d'entrer une Gumio qui va y aller pour avoir deux balles de match ici dans cette série. Les Marines qui sim, qui prennent le troisième CC. Est-ce qu'on va monter la rampe? Non, on va être prudent. Mais on sait que l'avantage est massif avec désormais deux bases d'avance pour Gumio. 50 de pop d'avance pour Gumio. Plus d'upgrades, des upgrades qui arrivent qui sont meilleurs que celles de son adversaire. Tout est ouvert. Ok, massif de top. Sur les tanks peut-être. Ok, non. On a vu dans la main. Dans la main, il va y aller. Okay. Il va y aller, Gumio va y aller. Non. Ouais, mais... Ah, mais c'est pas mal. Ouais, ça force le décalage. Va monter en deux temps. Ouais, il essaye de forcer vraiment le mind sur son adversaire. Les décalages et les hors de position très très bien fait tactiquement parlant de la part de Gumio ici qui commence à détruire les moyens de production de son adversaire. Et ça, c'est un coup dur pour le bon Maru qui aurait aimé avoir des unités qui bénéficieraient des upgrades qu'il a mis tellement de temps à aller chercher. Mais là, ça paraît compliqué. Un supply de 30 points de supply inférieur du côté de Maru et on se fait grignoter au fur et à mesure la base. Ouais, Gumio qui est complètement max et qui envoie armée après armée. Hein. Là, c'est rallye inévitablement à cet endroit-là de la carte pour Gumio. Ok, on va dropper ce coup-ci sur les tanks. Est-ce que ça va vraiment marcher ce go? Le bon focus fire de Maru. Attention, Gumio, quand même, à ne pas empaler cette game. Il semble tellement bien. Mais Maru est encore en vie avec 79 supply. Et si vraiment tu prends la pire fight de tous les temps, les 52 supply des cartes peuvent disparaître instantanément. Très clairement, la tourelle ici qui tombe, c'est une bonne nouvelle pour Gumio dans le sens où il va pouvoir avoir peut-être un petit peu plus de liberté de mouvement. Le bon position de tank sur le positionnement de tank sur le low ground et quelques marines qui sont venus suicider pour absorber des shots de tank pour éviter que ce soit ceux de Gumio qui prennent la sauce. Mais bon, on va finir par s'en nettoyer grâce à ce petit drop. Le problème, c'est que ce genre d'opération de la part de Maru, bah, ça lui coûte quand même des troupes pour nettoyer et des troupes qu'il a du mal à remplacer dû à la perte de son écho et de son infrastructure. C'est ça, et pour Maru, oui, c'est des trades équivalents, mais il n'a pas besoin de trades équivalents à ce moment de la partie. Il a besoin tout simplement d'une victoire massive. Attention, les tanks qui ont été tous des sièges d'un coup, et du coup Gumio va se précipiter ignorant la tarif fortress. Est-ce que ces deux tanks peuvent tenir? Les marines de Maru ici qui sont plus nombreux. Très 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 bien joué de la part de Gumio tactiquement, hein, c'est... Bah, il a outplay Maru en fait sur ses séquences tactiques. Ouais, non, c'est parfaitement fait. Et surtout, Gumio. Moi, ce que j'adore, c'est ce moment dans la game en fait où il pose sa sensor tower un peu là sur le côté gauche de la carte. À ce moment-là, Gumio ne lâche plus jamais le map control. C'est lui qui agresse constamment. Et très très bien fait ici de la part du joueur Terran de chez Psystorm Gaming qui, du coup, mène désormais 3-2 à sa disposition. Deux balles de match pour se défaire de Maru. Et globalement, bah. Là, tu vois, après cette game, il gagne les deux macro games. Les deux qui perdent, c'est deux games où, honnêtement, il a un choix de build order pas terrible sur Proxima Station et il fait n'importe quoi sur Odyssey après avoir sublimement défendu. Non, genre pour Gumio, limite le 3-2 est sévère en fait. Limite le 3-2 est sévère ? Bah, enfin, je trouve qu'il mérite de mener 3-1. Ah ouais. Voire 3-0. En vrai, s'il joue bien, la série était finie à la 4ème game pour Gumio. Juste, c'est ses propres erreurs qui lui ont fait perdre deux parties. Et pour l'instant, il est impressionnant, le terrain de chez Psystorm Gaming. Franciscain, GG pour le travail posé, spontané et de qualité. 31 mois de RISM. Merci à toi, Franciscain, pour ta longue présence sur la route tout poutre. Et bien sûr, ce petit message plein d'amour. Et balancez des joins dans le chat. Ok, on va partir sur Worldwind, une des rares maps à 4 joueurs, encore jouée sur StarCraft 2. Il y a une disparition petit à petit des maps à 4 joueurs, dû au fait voilà que
ça pose des problèmes d'équilibrage tout simplement, que ce soit au niveau des positions ou du scouting compliqué. C'est ça. Et en haut à droite, le Terran bleu, il s'agit de... He is. Sidestorm Gaming, Gumiho. Et au milieu de la carte, il va tout miser sur un proxy. Maru. Ok. Le Jean-Michel, j'ai des balls, quoi. Proxy Reaper into, le mec va poser un CC et va perdre la partie. Ok. Non, non, mais c'est le call de Maru, je veux dire. Ah, ok. C'est clairement pas, on est clairement pas sur une map optimale pour Proxy Reaper si on fait le tour du propriétaire, c'est aussi simple. C'est pas la meilleure rampe de tous les temps pour monter. Et surtout, en fait, tu peux monter à un seul endroit. Maintenant, ça joue. Le problème, c'est que tes proxys sont très loin vu qu'on est sur map à 4 joueurs. Oh my god, Gumiho, ce dieu. Un génie. Et du coup, ça, c'est des. C'est un autre. Dorax Reaper in base. Voilà. Ouais. C'est pas le cocabile typiquement n'existe pas en TVT. Non, parce que le cocabile meurt sur tous les build reaper. Ok. Littéralement tous. Nice. Bon à savoir ça. Bon, alors je veux pas casser la hype. Mais. Mais la game commence à être vachement dure pour Maru. Alors là, c'est le moment où en fait vous ouvrez votre Spotify, votre Deezer, votre YouTube et vous trouvez Sound of Silence. Vous le mettez un petit peu moins fort que nos voix et vous pouvez écouter la suite du cast avec cette chanson qui tourne en boucle. Parce que là, très clairement, c'est le son Dissidence qui risque. Ouais, ou alors n'importe quoi de Kurt Cobain, tu vois, parce que là, il y a clairement des similarités entre Kurt et Maru sur cette game. C'est vrai. Un désir de mourir assez flagrant. Alors, comment dire. En fait, là, si on essaye de comprendre ce qui se passe, il y en a un qui a ses bâtiments chez lui et pas l'autre. Ce qui veut dire que Gumiho va pouvoir... Non, mais j'aime bien comme tu le dis, genre... Alors, les enfants... Les ronds rentrent dans les ronds, les carrés dans les carrés. Okay. Non mais, en fait, à aucun moment, Maru n'aura l'avantage dans cette partie. Et, ça sera beaucoup plus facile de faire une contre-attaque pour Gumiho, parce que s'il gagne, il a juste besoin de mettre la pression sur ses Dorax, qu'ils seront, enfin, s'il gagne une fight à un moment, ce qui est déjà le cas, en fait, oui. Dans cette partie, parce que en Reaper contre Reaper, d'ailleurs, Maru, franchement, Reaper contre Reaper, déjà rien que ce choix. Bref. Donc, quand tu gagnes la fight, soit tu vas directement chez l'autre qui n'a plus d'unité, soit tu campes Terax. Les deux sont possibles. Là, on va choisir d'aller directement chez son adversaire sans aucun respect. Et on pose un CC parce que pourquoi pas. Oui, on n'a pas le gaz, de toute façon. C'est le moment de Because I Can, hein, tout simplement. Et du coup, tu enchaînes sur le Cannon Penis si t'es un viewer de Smosh. Attention, ici, les Reapers qui vont être. En free rain, tout simplement dans cette map, et on parle pas de chocolate rain, mais bien d'une pluie de sang et d'acier sur ces VCS qui n'ont vraisemblablement aucune chance de réussir à faire face à autant de Reapers. Les Reapers qui arrivent à la queue leu pour Maru, et il n'a pas envie de sortir hein, parce qu'il le sait, s'il sort, c'est magnifique. L'élimination de la GSL. Ouais, magnifique, et c'est le petit CV pour prendre la vision, on a juste besoin de tuer le Reaper restant, et la game sera finie de dodge les mines. Ok, il y a deux Reapers, attention, tous les Reapers dans le rouge de Gumiho, mais le bon focus fire fait que Maru a désormais 14 CV, n'a pas fini encore sa facto. Est-ce qu'il va arriver à la finir? Oui, c'est déjà ça de prix pour Maru qui peut désormais faire un Helion, continuer de produire des Reapers à l'autre bout de la carte et se concentrer tout simplement ici sur la tête qu'il pourra faire à l'issue de ce match. Puisque malheureusement pour Maru, ça va être une tête de perdant. Ouais, GG Gumiho qui s'impose ici 4-2 et il est très 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 content. Et moi aussi, puisque du coup voilà, mon pronostic est respecté. C'est un pronostic sur lequel j'avais travaillé des heures d'analyse, de replay et de statistiques sur ces 6 derniers mois en TVT. Donc vraiment, voilà, ça fait toujours plaisir de voir comme ça que 6 mois de travail paye. Ouais, non, gros big up à Gumiho qui arrive du coup en 7 ans à sa première finale de GSL. Maru ne deviendra pas cette saison le premier joueur de StarCraft 2 à remporter un OSL, une Star League et une GSL. Pardon. Excusez-moi, j'ai cru que Maru allait avoir des émotions. As-tu vu la ligne, j'espère que t'as regardé cette image sur la tronche d'innovation suite à sa victoire en SSL. Non. Imagine, tu vas aller au travail à 8h et tu manges ta tartine, tu vois. Ah ouais. Donc en fait, t'es juste blasé. Ouais, parce que tu vas au taf après. La tartine, c'est cool, mais t'es blasé. C'est ça. Et c'est ouais, c'est la tête d'Ino. Ah merde. C'est magnifique. Le mec, on a rien à battre. Dur. Enfin, ne montre son expression faciale. Montre qu'il n'en a rien à faire. Et TRPG Toucan qui disent The Sound of Silence, ça a pas eu le temps de se finir. Probablement nice. Ici. Psystorm Gaming, Gumiho, premier joueur Psystorm, bien sûr, en finale d'une GSL, mais gros recrutement à Psystorm ici, qui du coup va peut-être faire aussi bien que Splice, en ayant investi plus smart sur un
Non, mais pas plus smart. Mais finally, Gary says. Moins obvious. He's done it. He's gone to the finals. Il est le meilleur joueur et tout va faire chier. Et Everybody. Un peu le dark horse, un peu la brebis galeuse du truc, mais qui en fait est une brebis cornue. Du coup, on vous laisse rapidement avec l'interview. On fait un petit break et on revient juste après pour des game viewers. Voilà, le pré-show devient un post-show et on vous fait beaucoup de bisous. Bian advised me to do mix-ups with the build, especially my build that I use on Worldwind. 마지막 세트 말씀하시는 것 같아요. 완전히 Bian was totally correct. Your advice worked out. 어 상대는 어떤 심정이었던 것 같아요? 어 아마 눈앞이 캄캄하다. It seems like you're reading his mind back there. 네, 정말 그 아마 제 W를 보기 전까지 아니 제 빌드를 알기 전까지는 그래도 일말의 희망이라고 있었는데 같은 When 투벨이 나온 걸 알았을 때 네. 정말 아무 생각도 안 들었을 것 같아요. 네, 와 고백주 선수 정말 기분 좋으실 것 같아요. 오늘 운영에서도 간단한 모습 그런데도 불구하고 참 전쟁력 빌드를 많이 쓰셨어요. 특별히 이유가 yeah. 있을까요? 네. 어... 사실 이게 7전제를 준비하면서 네. 정말 힘들었고 준비를 할 수가 없겠더라고요. 그래서 When you have multiple maps it seems like 네. I've got to mix it up. 현우는 많이 말렸어요. 네. 근데 그 말 I had to try to have force in some short games especially with proxy builds. 그래도 참 기분 좋은 결과 만들어 냈습니다. 오늘 경기하시면서 이 피지컬하면 조성준데 그런 조성준 선수를 1세트에서 이제 컨트롤로 압도하기 했었잖아요. 그럴 땐 기분 어떠셨어요? Maro's known to be the best. Everybody says that. 세트 전진병을 예측해서 맞춤 빌드를 especially in that early set you showed how good your 네. micro was in that game. 저는 제가 컨트롤 잘 돼서 좀 막을 수 있을 줄 알았는데 못 막고 역시 조성준 선수도 컨을 잘 하시기 때문에 네. 못 막고 져 가지고 약간 멘탈의 붕괴가 왔었는데 The first set it worked out pretty well, but on the second 네. map 자, 오늘 이렇게 참 재밌는 경기들을 하면서 Maro was absolutely the Maro that we all know his control was so good at defending everything. 네. 아, 7년이나 기다렸는데 많이 기다리셨어요. But, excuse me. We're getting behind here. They're talking about the third map and how hard that was and how pivotal that was. Gary says it's taken you 7 years to become a GSL finalist. 그리고 진짜 이번에 연습 자, 이 My family comes to mind. Now that I'm a finalist. 정말 연습을 열심히 도와준 옛 동료들이 정말 고마워요. 네. 누구 생각나세요? 아, 진짜 김동원 선수랑 After there were four Terrans in this in the series before this. 네, 현우도 많이 도와주고 그리고 네. 재선이도 A lot of my 시간 friends, 날 때마다 도와주고 They were really supportive of me. Also Bunny was very supportive. Beyond 항상 이 성실함의 아이콘으로 기억했었습니다. 7년이란 도전 시간이 참 짧은 시간이 아니거든요. 그동안 네. 힘들고 지치던 그런 때가 없으셨어요? 많이 있었죠. 떨어질 때마다 지쳤는데 It must be very hard for you to be in the finals. 예. 그래도 뭔가 포기할 수가 없어가지고 계속 했는데 이렇게 Every single 결실을 moment, 맺게 돼서 I wanted, there are plenty of moments 보고요. where I wanted to give up. 여기까지 But somehow I just couldn't stop playing. I couldn't stop training. 5년이라는 시간이 걸렸거든요. 네. 아, 진짜. From the semifinals to the finals, it took 4 years for me to actually get to a point where I'm here. 또 얼마나 걸릴지 알 수가 없기 때문에 이제 또 군대도 가야 되고. 네. I finally made it. 결승은 진짜 정말 열심히 준비할 생각이에요. 네. And I really want to get the champion titles. 승가는데 5년이나 걸렸다고 합니다. 그런 만큼 상대도 정말 중요하잖아요. Says he's ready to put everything on it. 와, 김도호 선수와 어유 선수가 있거든요. 아, 네, 저. 네, so, obviously, it's going to be important who you face in the finals. Who are you looking for? 아니, 네. It's going to be Super Classic. Do you have anybody? He said, look, I'm not sure this is good to say, 생각하거든요. 네. but Sue has that curse. He can't win a GSL if he gets to the finals, so I suppose that would be helpful to me. 내가 우승 거의 확신에 가까운 것 같은데요? It seems like you met Sue in the finals. 미신이라고 해도 네. It might be an automatic win. 지푸라기라도 잡는 심정으로 그런 거라도 좀 있었으면 좋겠다 이런 생각이죠. 김도호 선수는 결승에서 진 걸 제가 본 적이 없어요. 맨날 이기시더라고요. It's a little bit of a mind game. 그만큼 간절해 보입니다. 참 많은 분들이 응원해 주시고 계실 것 같은데요. But I'm very desperate. I really want to pull through. 각오를 마지막으로 들어볼게요. 아, 네. 오늘 메카닉을 기대하셨던 분들도 많이 있을 텐데 Any final words, give me up. 사실 메카닉을 이렇게 함부로 쓸 수 있는 I know a lot of people were expecting to see more mech play. 그리고 결승 올라가게 되는데 정말 응원 많이 해 주세요. But you can't show mech builds every single match. You got to be careful when you bring it out. 자, 고병기 선수 첫 I'm going to pull out all my best plays in the finals. I'll prepare to do, show you guys great games. And that does it. 모두 끝났죠? For our interview. 확인해 보겠습니다. Wow. That's a crazy result, man. Gumiho, wow. First
time in the finals. Only took him 15 tries. Yeah.